Ça marche. Dites-moi bonjour. Vous savez que c'est une salle extrêmement impressionnante. Heureusement, je la connais déjà, donc ça n'a pas eu l'effet traumatique que ça a eu sur moi la dernière fois. La première fois où j'avais l'impression que j'étais à 10 mètres du sol, il paraît que ce n'est pas vrai, que ça n'a pas bougé. Mais moi, mon sentiment est que j'étais sur une estrade à 10 mètres du sol et qu'en arrivant là, je ne voyais que des profils. Alors, j'imagine qu'il y a des gens que je connais, mais en général, moi, je vous connais de face et je vous vois de profil, donc je ne vous reconnais pas. Je suis complètement dans le noir et parlant à des gens de profil. Alors, si vous voulez vous rapprocher, vous mettre de face, on ne va pas démonter la salle, hein. J'imagine qu'on ne peut pas faire ça. Mais si vous voulez vous rapprocher, ce sera mieux. On a quand même 2h30 à parler ensemble. Moi, je suis un peu inarrêtable quand je parle, mais mon idée est quand même qu'on parle ensemble. Et donc, pour ça, vous pouvez bouger, vous mettre plus près, un peu moins de profil, ce sera mieux. C'est mieux comme ça. C'est pas le bon endroit, au secours. Tu veux en cheval? Ah, c'est vrai, il est passé à nouveau, parce que j'aime pas mal les articles. Et ma
moi je repars ce soir, donc c'est très frustrant, je fais juste. C'est très compliqué. De se libérer trois jours, c'est pas très. Voilà, c'est ça. Évidemment, beaucoup de choses m'intéressent. Et en particulier ce que vous allez faire, et faire bouger et chanter les gens. Je pense qu'on va dire, on va voir. Je pense qu'on va déboucher sur la formation thérapeute, sur laquelle j'ai rien écrit pour nous. Enfin, j'ai pas écrit sur ce que j'ai prévu de raconter. Je pense que si tous les psys qui sont formés au langage verbal, ils sont formés à être juste pour les gens. Maintenant, on va faire. Bon, voilà, on va démarrer. Après un petit changement de tenue pour menace de tomber dans les pommes du fait de la chaleur. Et je suppose qu'on va se chauffer un peu en parlant. Alors, je vais vous dire un peu qui je suis, d'où je pars. Pas qui je suis forcément personnellement, mais d'où je pars et d'où je parle. Et ce que je vais vous raconter, d'où ça vient de mon expérience. Alors, moi, je suis psychanalyste, j'ai envie de dire, comme tout le monde, dans une formation extrêmement classique de la Société psychanalytique de Paris. Et avant d'être psychanalyste, et parallèlement, je suis psychologue de formation, et j'ai travaillé comme thérapeute toujours, en réalité. Et j'ai travaillé comme thérapeute dans une unité d'abord en psychiatrie adulte et puis ensuite en psychiatrie infantile où j'ai travaillé dans un service, donc ça c'est ma préhistoire, je vais vous parler de préhistoire mais je vous parle de la mienne, ma préhistoire, j'ai travaillé dans un service où je suis restée presque 40 ans et qui était à l'époque un hôpital de jour avec des enfants majoritairement autistes et essentiellement sans langage. Et quand j'ai commencé à travailler là, j'étais toute jeune, et j'ai eu un sentiment de désespoir absolu. Ma phrase à l'époque, c'était « L'agriculture manque de bras, je vais me reconvertir ». Je ne sais pas si c'est très vrai que l'agriculture manque de bras, mais en tout cas, un découragement et le sentiment que ce que j'étais censée faire pour traiter ces enfants ne correspondait absolument pas à rien de ce que j'avais appris. Rien de ce que j'avais appris et rien de ce que j'avais utilisé dans mon expérience de thérapeute débutante. J'avais travaillé avec des délinquants avec des malades psychiatriques. Donc l'idée qu'il fallait que je change de métier. Alors finalement, je n'ai pas changé de métier. Je suis là, je n'ai pas changé de métier. Mais j'ai cherché qui pouvait m'aider à comprendre ce qui se passait. Je me souviens de cet enfant qui était un enfant autiste d'une catégorie dont on parle rarement, mais ceux d'entre vous qui travaillent avec des autistes savent que ça existe, c'est-à-dire la catégorie des autistes monstrueux, avec lesquels on ne peut rien faire. Et dès qu'il était dans le bureau avec moi, il se mettait à hurler et il s'accrochait à la porte pour sortir. Alors je suivait dans les couloirs, c'était horrible. Et quand il a commencé à pouvoir rester avec moi, dedans, la première chose qu'il a faite, j'utilisais un bureau, ça m'a rendue très attentive à beaucoup de choses par la suite, j'utilisais un bureau qui m'avait été donné avec un placard et des jouets pour enfants. Dans les jouets pour enfants, il y avait des Legos, plein de Legos, vous savez, ces toutes petites pièces minuscules. Quand il a commencé à pouvoir rester dans la salle avec moi, après pas des semaines où je courais derrière dans les couloirs, complètement désorientée, il a tout foutu par terre, tous les Legos, et il a vomi dessus. Ce jour-là, je suis allée dans la cuisine en face, trouver des collègues, et j'ai dit, je ne peux pas continuer, je suis nulle, j'y comprends rien. Alors après, quand j'ai commencé à trouver des gens qui m'ont aidé à comprendre ça, donc j'ai rencontré Geneviève Hague à ce moment-là, qui m'ont aidé à comprendre que ça, c'était pas n'importe quoi, c'était en lien avec moi, que vomir sur ce matériel de jouer, vider
cette armoire que je lui donnais et se vider lui-même, c'était communiquer quelque chose et que c'était comme ça qu'il fallait travailler. Waouh ! J'avais du chemin à faire. Et ce chemin, il s'est continué parce que tous les psychanalystes qui ont travaillé avec des bébés sont des psychanalystes qui ont souvent travaillé avec ces enfants très malades. Ça a été le parcours de Geneviève Hague, mais de Donald Melzer, de Martha Harris, des gens qui ont travaillé avec des enfants autistes, ça a été le trajet d'Esther Bic également, ont été amenés à se poser cette question. Mais pourquoi ces enfants sont devenus comme ça? Et à quel moment ils sont devenus? À quel moment on sait qu'on est autiste? Et ça existe un bébé autiste? Et est-ce qu'on peut naître autiste? Alors, ça amène à poser la question de comment c'est être un bébé normal? Qu'est-ce que c'est devenir un bébé normal? Qu'est-ce que c'est devenir un bébé? Qu'est-ce que c'est, si vous vous souvenez du film de Bernard Martineau, qu'est-ce que c'est devenir une personne? Et comment on devient une personne? Voilà, donc mon trajet, pour me présenter, c'est un peu ça que je dirais, ça a été ça. Et du coup, à partir de ce travail, ça a été un changement complet pour moi, dans plein de choses. Je me suis formée, c'est très important pour moi, comme approche, je me suis formée à l'observation de bébés, dans ce qu'en a développé Esther Bic, c'est-à-dire apprendre à voir, à regarder, à voir, à recevoir ce qui se passe dans l'expérience banale, normale, d'un bébé dans une famille banale, normale. Bon, vous en connaissez, vous, des familles banales, normales? Ben, en réalité, on ne sait plus trop, on sait pas trop ce que c'est, mais ça amène à se poser les bonnes questions, justement. Qu'est-ce que c'est? Comment un bébé se développe? Comment il arrive à faire face à toutes les secousses du quotidien qui sont le lot quotidien de tous les bébés normaux dans les familles normales? Donc être normal, on pourrait dire, c'est arriver à faire quelque chose, des événements traumatiques, des effractions, des secousses. Pourquoi certains sont plus capables de le faire que d'autres? Voilà. Donc je suis partie sur ça. Ça a vraiment modifié beaucoup les choses. Ça a modifié beaucoup mon travail. Dans le même temps, je commençais à me former comme psychanalyste, donc dans une formation très très classique. Mais ça a énormément changé aussi ma façon de me former comme psychanalyste et de devenir psychanalyste. C'est-à-dire que ça m'a amené à travailler sur les aspects, ce dont je vais vous parler là, les aspects du langage qui ne sont pas strictement linguistiques. Voilà. Donc c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Comment ça commence le langage? C'est le thème d'aujourd'hui. Et comment ça commence? Alors in utero, ça peut paraître assez surprenant de penser le début du langage in utero. Mais pourquoi? Pourquoi le penser comme ça? J'ai des tonnes de choses à vous dire, je peux parler pendant 3 jours, c'est pas là. Mais je voudrais bien que vous puissiez m'interrompre. Quand vous avez quelque chose qui vous paraît s'ajuster à ce que je dis, manifestez-vous, on vous passera un micro. Et je crois que malgré la géographie de cette salle, qui se prête assez peu à être en contact, je crois qu'on va essayer de faire fonctionner le contact. Et moi, je voudrais vous raconter des choses qui, évidemment, qui vous intéressent, mais je voudrais vous raconter des choses qui vous soient utiles. Et j'ai besoin de pouvoir m'ajuster à ce que vous attendez. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Allez. Je vous propose, puisque Régine Pratt s'est présentée, c'est une surprise dans le cadre de ce colloque, qu'on lui chante le bonjour. Donc c'est facile, je suis intervenante à l'UPB, intervenante musicale à l'UPB de Montfavet. Et donc c'est l'air de Ainsi font les marionnettes, mais les paroles c'est à nous tous bonjour. Là on va dire à Régine bonjour. Alors je vais vous le chanter une fois. À vous tous bonjour mes délices, à vous tous bonjour, mes délices, mes amours. Si vous voulez, on le reprend ensemble. À vous tous, bonjour, mes délices, à vous tous, bonjour, mes délices, mes amours. Et une manière de se présenter auprès de Régine. À Régine, bonjour. À Régine, bonjour, mes délices, à Régine, bonjour,
mes délices, mes amours. Merci beaucoup. À vous tous, bonjour, mes délices, à vous tous, bonjour, mes délices, mes amours. C'est super. Merci. Alors, je vais revenir à mon début, mais avant, je vais vous dire quelque chose qui serait plutôt sur la fin. Mais là, on est en train de bouger un peu l'ordre, c'est bien. Voilà comment je suis une psychanalyste différente, avec une patiente terrible, 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 en très, très grande difficulté, une espèce d'explosion psychotique que je vois en face à face. Et on parle de... comment c'était autrefois chez elle, on n'écoutait que de la grande musique, mais il y avait une bonne, ah oui, il y avait une bonne. Elle fait un geste comme ça, oui. Elle chantait des trucs, des trucs à la mode. Elle, moi, c'est moi qui fais pss, pss, mais elle, elle fait juste le geste. Des trucs à la mode. Alors j'insiste sur, qu'est-ce que c'était ces trucs à la mode qui n'avaient pas place chez elle, mais néanmoins, cette bonne, elle y était très attachée. Je sais pas, un truc, oh, une espèce de machin, de variété, toujours avec ce geste. C'est ce geste qui m'a alertée, que j'ai attrapé. Je pense qu'autrement, je ne me serais pas arrêtée. Et tout d'un coup, je dis, moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui... C'est ça ! Comment j'ai pensé à ça, j'en sais rien. J'avais un peu le repère de l'âge, je ne sais pas du tout. C'était ça. Et donc, j'ai chanté ça dans la séance, et ça a été... une façon d'être en contact avec d'autres zones pour elle. Alors le langage, qu'est-ce que c'est le langage? On sait bien, le langage, ça sert à communiquer. Tout le monde est d'accord sur ça. Hein. Mais évidemment, on doit préciser ce qu'on entend par communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire, communiquer? Est-ce que c'est la même chose de recevoir ou de transmettre une information? L'heure du train, le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait, c'est déjà un peu plus affectif. Ou de faire une déclaration d'amour ou une déclaration d'impôt. Est-ce que c'est le même langage qui va servir? Est-ce que écrire ou lire de la poésie, c'est la même chose? Est-ce que donner un ordre, exécuter, transmettre un ordre à un interlocuteur et transmettre à un interlocuteur ce qu'on ressent? C'est toujours le langage qui va nous servir. Mais est-ce qu'il va s'agir de la même chose? Est-ce que s'entendre, se comprendre, ça met en jeu les mêmes choses à ces deux points extrêmes du langage? Et je pense que c'est des formulations donc, qui sont un peu caricaturales, évidemment, mais qui définissent une sorte de ligne, des modalités d'une relation possible à l'autre, et qui définissent une plus ou moins grande capacité d'intersubjectivité, ou plus précisément, une plus ou moins grande place laissée à la reconnaissance de l'autre. Par exemple, je vous parlais des autistes tout à l'heure, mais vous savez que les autistes peuvent utiliser le langage, mais c'est un langage qui souvent va leur servir peu à communiquer. Autre chose que justement des informations plates, carrées. Souvent, on a des enfants qui parlent, ou des adultes d'ailleurs, de façon très robotique, qui éliminent les montées, les descentes, les aspects de tonation. Et on sait que c'est les aspects de double sens, les aspects de métaphore qui leur sont souvent incompréhensibles, inaccessibles. Alors regardez le monde dont ça parle, quand on perd cette dimension du double sens, quand on dit « il pleut des cordes », si on n'a pas la dimension métaphorique, c'est juste terrifiant. Ça veut dire quoi qu'il pleut des cordes? Il y a des cordes qui vont tomber dessus. Manger des pissenlits par la racine, c'est quoi? Être d'une humeur de chien, c'est quoi? Quand on n'a pas le double sens, ce que j'appelle, moi, l'épaisseur du langage, c'est-à-dire l'autre dimension, une dimension qui n'est plus plate, bidimensionnelle, mais une tridimensionnalité dans le langage. Ce qui relie à l'épaisseur psychique du sujet lui-même, et donc qui marque ce passage au tridimensionnel. Et un langage auquel vont manquer ces aspects-là, de l'épaisseur du langage, est un langage plat, et tout ce qui est porteur de vie en est éliminé. Donc ce qui donne son épaisseur au langage, c'est ce qui est
plus particulièrement portée par les aspects non-verbaux. Les aspects non-verbaux, c'est-à-dire les aspects corporels. Les aspects, je reviendrai dessus tout à l'heure, parce que je vais partir de l'origine, de la préhistoire du langage, de comment ça peut commencer déjà in utero, parce que c'est dans ces aspects corporels les plus précoces qu'on va pouvoir concevoir le langage dans son épaisseur et sa densité, c'est-à-dire cette dimension corporelle qui va allier tout au long de la vie, de façon indissoluble, les niveaux sous-symboliques de la communication émotionnelle au symbolisme des mots. Quand je parle, et ça les orthophonistes savent bien, et les linguistes ont beaucoup étudié ça, mais quand je vous parle, pourquoi vous êtes là, vous pourriez très bien lire ce que j'ai écrit plein de choses là-dessus, juste le langage. Mais là, on va dire, il y a la façon, et on voit bien, moi je suis du sud-ouest, je parle avec les mains, je ne peux pas parler sans les mains, mais personne ne peut parler sans les mains, sans le corps. Le langage, il est toujours incarné, même si on n'en a aucune conscience. Je vais vous donner des éléments. On a plein de travaux très très fascinants, travaux anciens, puis des travaux plus récents. Donc c'est la dimension corporelle qui donne son épaisseur au langage. Donc comment ça va se construire, comment ça va commencer, et pour moi c'est quand même pas sans incidence sur ce que je vais développer, d'aller chercher ce qu'il en est de l'origine. Et quand j'ai commencé cette question dont je vous parlais tout à l'heure, comment on devient un enfant autiste, qu'est-ce que c'est se développer normalement pour un bébé, c'est quoi le développement normal, c'est quoi être un bébé, ça commence quand, c'est une question vertigineuse. On peut remonter très loin. Et du coup, je me suis, avec cette question, intéressée à l'embryologie et avec beaucoup d'étonnement que la plupart des collègues psychanalystes, y compris travaillant sur des éléments sur la personnalité, sur les éléments archaïques de la personnalité, ne s'intéressent pas davantage à ça, parce que obligatoirement ça nous amène à réfléchir à quelles sont les premières modalités de la vie. Alors on a des éléments maintenant, on sait que moi je ne suis pas embryologiste, je ne suis pas médecin, mais j'ai beaucoup potassé sur ça et je suis en recherche des connaissances que vous pouvez avoir dans vos propres domaines sur ce sujet-là. Donc, quelles sont les premières modalités avec lesquelles l'enfant, le bébé, le futur bébé, le fœtus, l'embryon a une connaissance du monde? Qu'est-ce qui est premier? C'est obligatoirement qu'est-ce qui est premier dans le développement sensoriel qui va permettre d'avoir un lien, une connaissance sur le monde extérieur. Et donc, qui sera la première petite pièce sur laquelle va s'inscrire le développement psychique. Alors, voilà ce qu'il en est à l'heure actuelle de ce qu'on peut savoir du développement de l'embryon. C'est un voyage un peu vertigineux sur la préhistoire, comment ça commence. Les premiers récepteurs sensoriels à pouvoir transmettre des informations sont des récepteurs tactiles. Tactiles dans la région péribuccale. Ça commence très tôt. C'est vertigineux, on ne peut pas se représenter ce que ça peut avoir comme signification. Donc tout ce que je vais vous dire là, vous pouvez y mettre des guillemets, c'est tout des approximations, il faut bien trouver des mots pour parler de ça. Mais comment peut-on parler de ce que peut se représenter un embryon qui a 8 semaines, qui mesure 3 cm, tout petit, mais pour lequel déjà il y a une représentation du corps et une ébauche de la zone péribuccale. Ce qui est intéressant donc pour mon propos, ce qui a vraiment été un axe. Maintenant, je suis désolée si vous m'avez déjà entendu, vous m'avez sûrement déjà entendu raconter ça, parce que je le raconte partout, tout le temps, parce que pour moi, c'est fondamental. Donc, excusez-moi pour ceux pour qui c'est un double ou triple ou un radotage. Mais donc, que se passe-t-il quand on touche cette zone-là chez l'embryon? La première réaction est une réaction, comment on peut la nommer, j'en sais rien,
une réaction, un réflexe, je ne sais pas, de rejet, de retrait. Ça, c'est ce qui se passe autour de 8 semaines. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il va y avoir peu de temps après, 3 semaines après, vers 11, entre 11 et 14 semaines, la même stimulation de cette même zone va entraîner non plus un retrait, mais une recherche du contact. Là, vous pouvez mettre les guillemets, parce que parler de recherche, c'est parler d'intentionnalité. Quelle est l'intentionnalité d'un embryon de 3,5 cm? Je n'en ai pas la moindre idée, je crois que personne ne peut le savoir. Mais ce qu'on voit, c'est ça. Alors moi, je pense, dans ma conception du psychisme, que le psychisme, si on a l'idée, plus exactement, ce qui est la mienne, si on a l'idée que le psychisme, c'est la transformation de ce qui arrive au corps, de ce qui arrive somatiquement, alors on peut se dire, ça, c'est la première transformation. La transformation de quelque chose qui est d'abord un retrait, un rejet, en une recherche du contact. Alors, au départ, on ne va pas être très sûr de parler de recherche. Mais quand on regarde, on voit, si certains d'entre vous ont l'expérience sont échographistes ou ont des expériences d'échographie, je suis preneuse, j'ai commencé un stage chez une échographiste, c'est assez fascinant. Mais ce qu'on va voir, c'est que d'abord, vers 14 semaines, il va y avoir une recherche avec un mouvement comme ça de protrusion des lèvres, et puis ensuite de la bouche, et puis ensuite un mouvement de la tête, et puis tout le corps va être organisé dans la recherche du contact. Donc, ce qui est d'abord, ce qui est premier, c'est sensoriellement le tact, le sens du tact. Et c'est, et ça c'est mon hypothèse, ce qui va être donc le premier fil conducteur de tout le développement psychique. Premier fil conducteur, premier organisateur, vous vous souvenez que Spitz avait parlé dans ces termes-là, d'organisateur du psychisme, si vous vous souvenez de... Je crois qu'on apprend, je ne sais plus si on apprend encore Spitz à l'heure actuelle, il était extrêmement novateur et il parlait du début de l'organisation psychique dans le sourire et ensuite l'angoisse du 8e mois, etc. Mais avant ça, Piaget en 1936 parlait du rythme comme premier organisateur. Et ça, ça va nous ramener à la musique, on va voir par quel canal, mais donc pourquoi le rythme? Pourquoi et qu'est-ce que ça a à voir le rythme avec le toucher? Ah ben le rythme, ça a à voir, c'est le toucher, le rythme. Pourquoi? Parce que dès le moment où on touche, d'abord le toucher, c'est un sens qui est réflexif. On ne peut pas toucher sans être en même temps touché. Si je touche la table avec ma main, je touche la table, mais je suis touché par la table. Donc c'est obligatoirement dans les deux sens. Donc le toucher, c'est un sens que je trouve extraordinaire de penser que le développement de la vie commence là, dans le toucher, parce que ça signifie que d'emblée, ça inscrit la rencontre avec un autre. Alors avec un autre, là aussi, vous pouvez y mettre des guillemets, hein, il n'y a pas encore d'autre à ce moment-là. Mais la rencontre avec quelque chose qui n'est pas moi. Je ne suis pas encore moi, mais je sens bien qu'il y a quelque chose. Et ça va permettre quoi? Le toucher. Toucher, lâcher, toucher, lâcher. Ça, c'est le premier pour moi. Ce que je vous dis là, c'est des théories personnelles. Je vais vous signaler au fur et à mesure les choses sur lesquelles je m'appuie qui viennent des autres. Et ça, c'est une théorie personnelle. Que le premier organisateur du psychisme, du proto-psychisme, de ce qui deviendra le psychisme, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, le mouvement, c'est celui-là. C'est que la première expérience est une expérience de tenue lâchée, touchée, pas touchée, qui donc inscrit d'emblée la vie dans le rythme de la rencontre, le rythme de la rencontre avec l'autre. Alors qu'est-ce que ça a comme conséquence? Je vais faire une parenthèse qui est aussi un peu vertigineuse, vous voyez, on sait... C'est pas très précis, à savoir les chiffres peuvent évoluer beaucoup, mais on sait que dans ces 2 premiers mois de la grossesse, il y a énormément de fausses couches spontanées pour plein de raisons variées. Et
les chiffres peuvent varier beaucoup. En général, on situe une moyenne autour de 25%. C'est énorme quand même. Il y a même des chiffres qui disent plus que ça. Donc 25% d'embryons qui font ce mouvement, qui ne font pas ce mouvement de tenir, s'attacher, qui lâchent. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec cette première transformation que doit faire l'embryon? C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on ne l'appelle plus un embryon. Quand il a fait ce mouvement-là, on l'appelle un fœtus. C'est moi qui dis quand il a fait ce mouvement-là, mais ça correspond dans le temps. De moi, on va parler du fœtus. Avant, c'est l'embryon. Alors je trouve que c'est aussi des questions qui sont très vertigineuses sur le lien qu'il peut y avoir avec le milieu, avec les relations. Certainement, on pense bien quelque chose comme ça, puisque quand on a des jeunes femmes qui font des fausses couches à répétition et qu'on les envoie chez un thérapeute, ah, c'est sûrement qu'on a bien l'idée que ça va aider, que ça, la modification psychique de la maman, va aider l'embryon à s'accrocher, que ça va faire tenir la grossesse. C'est le vocabulaire très courant des grossesses qui ne tiennent pas. Est-ce que ça pourrait avoir à voir? Je n'ai pas de réponse, j'ai juste des questions. Ce qu'on va dire à partir de ce moment-là, ce que je vais dire, c'est que ce fil-là du tenu lâché, ça va être le mode d'emploi, le fil rouge de tout ce qui va se passer ensuite dans le développement sensoriel et dans le développement psychique. Pourquoi ? Si on a, alors en suivant le calendrier maturationnel, on va avoir d'abord regardez ce qui se passe au niveau du langage. Au niveau du langage, on a plein d'expressions qui sont des expressions de la sensorialité. Par exemple, quand on dit « je me sens bien avec cette personne ».« Je me sens bien avec cette personne », de quoi on parle ? Celui-là, je ne le sens pas. On parle de quoi ? On parle de l'odorat ? Ah ben oui, sûrement qu'on parle de l'odorat, parce que c'est un des premiers sens qui va se développer. Juste après le toucher, on va avoir un développement de l'odorat, et on sait maintenant, on a des travaux qui sont assez précis. Vittorio Bisozero, qui est un collègue suisse, dit que la langue olfactive maternelle est une langue intra-maternelle, non apprise, une langue qui va de soi, je vous lis une citation, une langue qui va de soi et qui s'exprime directement, une sensorialité immédiate qui débute son activité in utero lorsque l'être naissant est confronté à une première météorologie placentaire. C'est une forme métaphorique, mais ça parle bien aussi du vécu concret du bébé qui est confronté à des tas de choses in utero et donc aux odeurs issues donc des changements odorants inhérent, dit-il, aux variations amniotiques. Le fœtus navigue déjà avec son nez et se prépare à la vie respiratoire. Et on sait bien que les odeurs, c'est quelque chose de très très particulier, une mémoire olfactive difficile à cerner, encore plus difficile à communiquer. Mais par exemple, des gens qui ont vécu dans des endroits leur toute petite enfance, qui n'en gardent aucun souvenir, peuvent être tout à fait bouleversés de retrouver ces odeurs, des odeurs qu'ils ont oubliées, mais qui ont laissé des traces très profondes en eux. Et on sait que la mémoire olfactive, on a maintenant des éléments de recherche qui montrent qu'elle est extrêmement, extrêmement solide et extrêmement durable dans le temps. La Madeleine de Proust, ça parlait du goût, le goût et l'olfaction, c'est tout à fait associé, et c'est donc des éléments, des éprouvés sensoriels d'avant le langage. On a aussi maintenant des idées très précises de comment ça marche, la mémoire d'avant le langage, et c'est ce que les psychanalystes ont appelé, sans savoir comment ça marchait, mais maintenant on le sait,
la mémoire amnésique. C'est un drôle de mot, ça, la mémoire amnésique. Ça veut dire quoi, ça, mémoire amnésique? Une mémoire dont on ne se souvient pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais voilà, c'est ça. Les odeurs, c'est ce qu'on pourrait appeler la mémoire amnésique, c'est-à-dire une mémoire des souvenirs qu'on ne peut pas raconter. Je fais une petite parenthèse, on sait maintenant, en termes du développement des neurosciences, c'est les travaux de, je m'appuie là sur les travaux de Moreau Mancia, qui est mort il y a quelques années, qui était un éminent neurophysiologiste qui avait une chaire à l'université de je ne sais plus où en Italie, et en même temps psychanalyste et aussi un membre très important de sa société, donc on peut dire quelqu'un qui savait de quoi il parlait dans les deux aspects, et qui a, dans ses recherches, montré que les premiers noyaux de la mémoire en général qui est évoquée vers 2 ans, est associée au langage, et c'est associé au développement de l'hippocampe. Mais l'hippocampe, il n'arrive à maturité que vers 2 ans. Donc est-ce que ça veut dire qu'avant, il n'y a pas de mémoire? Vous avez juste dire qu'elle n'est pas hippocampique. Et elle n'est pas hippocampique, et en particulier, elle va engager les noyaux amygdaliens. Et c'est ça, la mémoire amnésique. C'est-à-dire que ça reste actif, ça reste mobilisable. C'est une mémoire qui fait agir, qui a une influence, mais qui n'est pas consciente, qui ne peut pas être remise à la conscience, en tout cas, sûrement pas vraiment par le langage. Donc, je reviens. Et quand on dit de quelqu'un qu'on ne peut pas le sentir, on ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui sent mauvais, d'accord? On veut juste dire... Mais c'est ce vocabulaire-là, et c'est notre vocabulaire émotionnel, c'est un vocabulaire sensoriel. Alors ensuite, donc ça c'est le premier, ensuite si on continue le calendrier du développement... L'audition, ça va permettre d'être en contact, perdre le contact avec ce qu'on entend. Avec le bébé, quand il va être né, on va le savoir très clairement, la maman dit « Attends, j'arrive » et ça calme le bébé. Ok, elle est à distance et ça le calme. Mais ça commence in utero, ça commence vers 26 semaines de développement fœtal et ça va permettre au bébé, l'audition, d'enrichir son mode d'être au contact, perdre le contact. Avec, donc on sait maintenant beaucoup de choses depuis les années 80 et le fait que le bébé entend, donc in utero, qu'il entend, qu'il se souvient de ce qu'il a entendu et qu'il va préférer ce qu'il a entendu. En gros, tous les travaux qu'on a convergent autour de ça. Il va préférer, après la naissance, ce qu'il a entendu in utero. C'est le champ prénatal dont on parlait. Vous pouvez nous faire une petite... Il ne faut pas attendre que je vous invite. Venez, vous allez vous mettre à côté de moi, ce sera mieux. Venez donc. Je vais vous raconter un événement qui s'est passé avec une amie qui attendait un enfant et qui, les 2 derniers mois, je lui ai dit, ça serait bien que tu choisisses une chanson et que tu lui chantes régulièrement. Alors voilà, elle avait choisi cette chanson-là. Mon petit lapin s'est caché dans le jardin. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché sous un chou. Frisant ses moustaches, le fermier passe et repasse. Il ne trouva rien du tout, le lapin mangea le chou. Et donc elle chantait cette chanson en mettant la main sur le ventre et puis en racontant la petite histoire à son bébé. Et quand son bébé est né, elle lui a chanté cette chanson-là. Et évidemment, le bébé s'est calmé. À chaque fois qu'il lui chantait cette chanson, le bébé se calmait. Voilà. On a eu beaucoup de travaux. Maintenant, je pense que vous les connaissez. Ça, c'est dans les années 80. Beaucoup de travaux sur ça, sur la mémoire auditive fœtale. Je vais raconter, moi, une histoire personnelle. Ma fille va avoir 39 ans. Quand j'étais enceinte d'elle, venait de sortir, j'adore l'opéra, en particulier l'opéra italien, et venait de sortir cet extraordinaire Don Giovanni filmé par Lozé, et qui était, à l'époque, si vous vous en souvenez, quand on voulait avoir les paroles, il fallait avoir un livret. Mais là, on avait la traduction, les sous-titres, donc on comprenait enfin ce qui se passait dans cette histoire. Et donc je l'ai écouté en boucle,
congé maternité en boucle. J'ai été voir le film plusieurs fois, j'ai acheté les disques, je l'ai appris par cœur, je chantais, tout ça. Bref. Les années se passent, ma fille fait une première, je trouve que c'est pas terrible sa première, je lui conseille de refaire une autre première dans une autre école, et parce que après pas mal d'aléas, elle accepte. Mais il y avait un problème, c'est que là, ils avaient commencé l'italien troisième langue. Et elle n'avait pas fait d'italien. Alors, elle dit, mais c'est pas grave, je vais m'y mettre pendant les vacances. Vous parlez comme j'y croyais, pendant les vacances, en camp scout, partir avec la méthode assimile d'italien, d'accord. Et un examen à la rentrée. Et elle fait son examen à la rentrée, et elle le réussit. Et moi, mauvaise mère, je me dis, punaise, le niveau de la troisième langue dans cette école, il n'est pas terrible. Et puis... elle se trouve à la fin du premier trimestre, première de sa classe en italien. Je me dis vraiment, le niveau de cette troisième langue en italien n'est pas terrible. À la fin de l'année, je rencontre sa prof qui me dit, mais vous savez, j'ai pensé que vous aviez des origines italiennes dans votre famille, parce que votre fille, elle a une prononciation intuitive juste de l'italien. Quand je lui fais lire un texte, les mots qu'elle ne connaît pas, elle les prononce intuitivement de façon juste. Je dis, alors ça, c'est quand même extraordinaire. Je ne parle pas italien, je parle espagnol. Je suis du sud-ouest, proche de l'Espagne. S'il y avait un lien, ce serait du côté de l'Espagne. Et tout d'un coup, j'ai repensé à ça, à Don Giovanni de Lozé, dont l'ouverture l'a calmée quand elle était toute petite, tout bébé. Et après Don Giovanni, j'ai enchaîné avec Traviata. Et bref, j'ai toujours eu de l'italien chanté dans ma tête, et que je chantais également. Et donc une solidité très grande de cette mémoire-là. Et je crois que maintenant, on a suffisamment d'éléments sur les inscriptions mémorielles précoces pour ne plus penser qu'il s'agit d'événements surnaturels ou de communication. On n'a pas besoin de l'hypothèse télépathique, c'est pas la peine. On a suffisamment maintenant d'éléments pour comprendre que les expériences sensorielles précoces s'inscrivent de façon extrêmement durable et solide. Et dans mon idée, pourquoi ça va continuer ce modèle-là d'être au contact, de faire ce jeu, de garder le contact, perdre le contact. Et c'est ce qui se passe quand on communique les uns avec les autres. Les communications mère-bébé ont été beaucoup étudiées, mais c'est ce qui se passe dans les communications toujours entre les uns et les autres, d'avoir cette aller-retour, quand on module son intonation, quand on module son rythme, sa rythmicité de parole, tout ce que les orthophonistes ont travaillé et décrit comme la prosodie, on rejoue ça, ce jeu de toucher, lâcher, avec la façon dont on va moduler particulièrement certaines sonorités, certaines syllabes. Donc c'est un niveau de musicalité du langage qui existe toujours, même si on ne chante pas quand on parle. On chante ce qu'on dit, sauf si on est autiste et qu'on utilise une voix robotique aplatie, justement. Si vous connaissez Suzanne Maiello, qui est une psychanalyste italienne qui a beaucoup travaillé sur les éléments précoces de l'organisation psychique et en particulier sur l'autisme, elle parle d'un objet sonore prénatal. Et elle dit que la voix de la mère et que la voix extérieure confrontent le fœtus dans son expérience à quelque chose qui est imprévisible. Face à la rythmicité et au bruit, aux sonorités internes, aux battements cardiaques par exemple, qui accompagnent la vie du bébé depuis le début, les battements cardiaques de sa mère, puis les siens propres également, que ça c'est des rythmes prévisibles et que pour certains bébés qui peut-être sont ceux qui deviendront autistes, il y a quelque chose d'une effraction par la non-prévisibilité des voix extérieures et des sons extérieurs. C'est possible, je sais qu'elle était assez d'accord avec le fait que je proposais ça comme déjà une déclinaison d'être en contact, perdre le contact, et que c'était quelque chose qui se rejouait du contact tactile, du toucher. La vision va être le dernier sens à être opérationnel. C'est aussi quelque chose d'assez bouleversant, de remonter si loin les choses. Les paupières vont être défusionnées vers 24 semaines, et au septième mois, il y a très clairement
des mouvements de suite oculaire in utero. Et le bébé est intéressé par les mouvements de la lumière externe. Il y a des travaux qui sont... je ne sais pas comment on peut les interpréter, quels sont, voilà, on peut discuter de ça, qui montrent que si on projette sur le ventre de la maman des lumières organisées, en gros sous la forme, je parlais de Spitz tout à l'heure, eh bien on a organisé des lumières un peu sous cette forme-là, comme deux yeux et une bouche, eh bien le bébé va particulièrement se tourner, le fœtus va particulièrement se tourner, être intéressé par les lumières disposées de cette façon-là et pas par trois points disposés de façon différente. Donc comme s'il y avait effectivement d'emblée une forme qui se prêtait à être reconnue. Pourquoi, comment, je crois que vraiment personne ne peut rien en savoir. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas ce dont on peut être sûr, c'est que déjà avant la naissance, la vie psychique commence et la vie relationnelle commence, et qu'elle commence, elle est ce qui inscrit d'emblée le développement, donc du côté de être au contact, perdre le contact, et pourquoi perdre le contact, pour pouvoir le retrouver. Alors, quel est le monde? Ah oui, il faut que je vous dise ça aussi. Mais j'imagine que vous savez bien tout ça maintenant, on a des éléments aussi qui sont bien connus et qui parlent d'un mode de perception spécifique du bébé, qui est un mode de perception amodal. Il y a d'autres mots, transmodal ou synesthésique, vous allez trouver ces mots-là également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un mode de perception qui transcende les différences des modalités sensorielles. C'est-à-dire que c'est un mode de perception qui se convertit d'un sens à un autre. Stern, quand il a parlé d'accordage, c'est de ça qu'il a parlé, c'est ça qu'il a décrit. L'accordage, c'est pas l'imitation, c'est pas la répétition, c'est la conversion, possiblement la conversion, d'un sens dans un autre. Par exemple, le bébé fait une vocalisation et la maman fait une petite danse gestuelle face à lui. On peut dire que ça n'a rien à voir. D'un côté, elle bouge, de l'autre, lui a chanté, a babillé. Mais en réalité, ce qui va être commun, et je reviens à mon histoire de tenue lâchée, ce qui va être commun, le dénominateur commun entre les différentes modalités sensorielles, c'est le rythme. Quand la maman bouge sur une vocalisation du bébé, elle bouge en rythme. Quand on entend une musique, même si on ne se met pas à danser, on danse quand même, toujours. Chaque fois qu'on entend de la musique, il y a un mouvement corporel, même si on n'en a pas conscience, toujours. Souvent, on se rend compte, on tape des pieds, mais même si on ne fait pas ça, si on se tient très immobile, on fait la même chose avec ses paupières, avec ses sourcils, avec des modifications de sa posture. Donc, l'audition est convertie en mouvement. Et les sons peuvent être convertis en données visuelles. Et ça, c'est vraiment la modalité transmodale sensorielle du nouveau-né. Ça, c'est vraiment une clé très importante. On perd plus ou moins ça en grandissant, sauf les autistes qui sont 7 fois plus que la population banale, qui sont 7 fois plus synesthètes. Si vous avez lu un bouquin fascinant de Daniel Tammet qui s'appelle « Je suis né un jour bleu », il raconte ça très bien, comment pour lui les chiffres sont des couleurs et comment il a une perception immédiate des chiffres comme des couleurs. Voilà, je suis né un jour bleu. Le jour de sa date de naissance, c'est un jour bleu parce que le chiffre est pour lui du bleu. Et que quand il compte, c'est un mathématicien prodigieux qui fait partie de cette association... Je ne sais pas si vous connaissez ça, une association des, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais des fans du nombre pi. Vous savez ce nombre pi, là, 3, 14, 3, 14, 16, moi je ne suis pas capable d'aller plus loin que 3, 14, 16, et encore je comprends fort peu de quoi il s'agit. Mais bon, on peut décliner ça jusqu'à des hauteurs vertigineuses, et donc il a été un des champions de cette association du nombre pi. Donc c'est un calculateur prodige. Eh bien, il explique que sa façon de calculer, c'est une façon immédiate, immédiate par association de couleurs, et qu'il a le résultat, qu'il a un résultat chiffré qui est en réalité un résultat en couleurs. Voilà, donc c'est ça, être synesthète. Mais quand on utilise des métaphores, quand on fait de la poésie, quand on comprend
Voilà, qu'on ne peut pas se sentir avec quelqu'un, qu'on se sent bien, qu'on voit rouge. Tiens, regardez ces formulations. Je vois rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, je vois rouge? Ça parle de quoi? C'est pas concret, mais c'est s'appuyer sur du sensoriel pour passer d'un sens à un autre. Je vois rouge, ça veut dire je suis en colère, d'accord? Je suis dans une colère noire, dans une rage noire. C'est convertir en couleur des états émotionnels. Et bien voilà, on utilise toujours tous, et c'est ce qui va faire une part de nos relations les uns avec les autres, des modalités qui sont également transmodales. Donc le dénominateur de ça, c'est, je pense, le rythme et le fait de tenir lâché. Que le rythme primordial, c'est donc le rythme de la présence-absence de l'autre. Si vous avez en tête, ou si vous connaissez, ou si vous avez une expérience directe de l'aptonomie, alors on voit bien avec l'aptonomie que ce dont il s'agit dans l'aptonomie, c'est, vous savez, c'est familier pour vous, l'aptonomie, vous voyez bien ce que c'est, ça a été découvert, je ne vais pas faire trop de polémique, mais je pense que ça a été découvert par hasard par quelqu'un qui était Hans Wellmann, je crois, qui a été, je crois, assez dépassé par sa découverte, mais qui a découvert quelque chose d'extraordinaire, qui était que si la maman enceinte appelait son bébé, pas le pousser, mais appelait par un petit frappé rythmique très léger sur un côté de son ventre, eh bien le bébé allait bouger vers 4 ou 5 mois et venir mettre sa tête dans la main de sa mère à travers la paroi abdominale. Alors si on avait l'idée avant que in utero c'était le paradis où tous les désirs étaient satisfaits avant même d'être exprimés, le paradis perdu qu'on va chercher, qu'on va passer notre vie à chercher à retrouver, alors qu'est-ce qu'on fait de cette expérience-là? Quel besoin le bébé a-t-il de venir entrer en contact avec quelque chose d'extérieur, d'autre qu'il ne connaît pas? Bien, je pense que ça amène des révisions très très importantes de beaucoup de théories psychanalytiques, parce que ça amène à penser que ce qui est donc premier, et comme je vous l'ai dit, premier depuis le début, c'est le mouvement pour être en contact, pour venir toucher, rencontrer l'autre. Si on met encore des guillemets, on va pouvoir dire le premier mouvement serait quoi? La curiosité? Peut-être que le premier mouvement, c'est la curiosité, et peut-être qu'un bébé qui va bien est un bébé qui développe sa curiosité. Alors maintenant, quel va être le moyen de ça? Le moyen de ça, ben oui, c'est le mouvement. Et c'est l'autre grand sens qui est aussi vertigineux qu'on voit depuis le départ. Depuis le départ, il est caractéristique. Alors ça, c'est des choses sur lesquelles je me suis appuyée sur une psychanalyste italienne qui est Alessandra Piontelli, qui si vous voulez, je vous enverrai ce que j'ai écrit et avec les références, et qui n'a pas écrit en français, malheureusement, elle a écrit en anglais. C'est une psychanalyste qui a fait sa formation à la Tavistock et qui a beaucoup travaillé avec l'observation de bébé dont je vous parlais tout à l'heure. L'observation esterbique, vous savez, c'est cette façon d'aller essayer d'apprendre quelque chose de ce qu'est le bébé. Un bébé normal, dans une famille normale, et un observateur va toutes les semaines pour une séance d'observation d'une heure, avec comme consigne de ne pas intervenir, ce qui est très difficile, de ne pas interférer, comme disait esterbique, et avec la supervision d'un analyste expérimenté dans cette méthode. Alors je suis devenue, moi, formatrice dans cette méthode, et donc Alessandra Piontelli a cette expérience-là. Mais elle a monté, elle n'était pas toute seule à l'époque en Italie, une extension de cette méthode, plus exactement une extension en arrière, c'est-à-dire en commençant les observations lors de la grossesse de la maman, et en faisant des observations de séances d'échographie. Mais c'était des séances d'échographie qui faisaient partie de tout un programme, c'est-à-dire que ce n'était pas l'observation faite, l'échographie faite en 5 minutes pour vérifier que tout va bien, et où on dit « Ah, ça va, il a
dans le meilleur des cas, où on dit « Ah, c'est bon, je vois son pied, sa main, tout va bien. » Puis il y a les autres cas qui sont la banalité, où on dit « Ah, il se passe quoi, là ? Tiens, je vois pas sa main, il est où ? Ah, mais il cache sa main, qu'est-ce qui se passe ?» Voilà. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut revenir ensuite, parce que ça constitue des traumatismes majeurs pour les mamans, quelque chose qui est en fait un non-événement, mais le fait qu'un... considéré comme un non-événement, mais le fait que l'échographiste a dit à un moment « Tiens, je vois pas son pied !» Alors, la maman va porter sa grossesse avec l'angoisse que ce bébé n'ait pas de pied. Même si y a des études là-dessus, et c'est pas une élucubration que je vous raconte, mais je pense qu'il faut savoir ça, même si le mois suivant, à l'échographie suivante, on lève cette inquiétude, on s'aperçoit, c'est une étude qui a été faite sur un symptôme, une inquiétude à l'échographie d'une nuque épaisse, et donc on dit, on s'inquiète, on refait une échographie dans un mois tout va bien, et on garde ces bébés là c'est ceux là qui vont faire le corpus d'études, et on s'aperçoit qu'à la naissance, ces bébés là pour un non-événement pris en compte nulle part, ce sont des bébés qui vont être moins allaités que les autres, moins allaités, c'est-à-dire il y aura moins de pourcentage de bébés allaités, ils seront allaités moins longtemps, et chaque tétée durera moins longtemps. Les mamans se comporteront avec plus de distance avec ces bébés-là. C'est quelque chose qui est arrivé au troisième mois de grossesse et qui a été levé au quatrième mois. Donc, pas d'inquiétude, il y a encore 5 mois pour poursuivre une grossesse normale. Ça reste un traumatisme majeur. Ça, je fais une... Vous me suivez, là ? Vous ne trouvez pas que je fais trop d'aller-retour ? Parce que je reviens sur la mémoire prénatale et l'inscription des traces mémorielles. On commence à avoir maintenant beaucoup de données qui vont dans le sens d'une inscription des traumatismes psychiques. Ça, c'est un traumatisme psychique. La maman s'est inquiétée et ça a des conséquences sur son comportement ensuite. Mais ça a également des conséquences directes sur le bébé. On a par exemple une étude sur... des études sur les animaux, on en a plein. Et c'est très facile de stresser des rats avec des décharges électriques, et puis ensuite on va même pouvoir observer les modifications génétiques que ça a entraînées, et puis on va cloner les rats. Je dis, oh, moi je ne fais pas ça, mais ils disent que c'est très facile à faire et qu'on connaît bien cette technique-là. On clone des rats donc, qui ont des noyaux cellulaires qui ont été modifiés par l'impact de traumatisme qu'on leur a infligé. Et on étudie ce qui se passe avec ces rats-là. C'est très facile de faire ça avec des animaux. On les maltraite pour des raisons scientifiques. Mais on ne va pas faire ça avec des vrais bébés humains. Mais par contre, il y a suffisamment d'horreurs naturelles dans le monde pour qu'on puisse les étudier. Une de ces horreurs naturelles dans le monde, ça a été l'étude des 1700 jeunes femmes enceintes à New York au moment des attentats du 11 septembre. Donc, qui ont fait l'objet d'une étude menée par Rachel Yehuda, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur la mémoire de la Shoah et donc la transmission transgénérationnelle. Et donc, elle a étudié ces enfants-là avec maintenant pas mal de recul. Et c'est des enfants pour lesquels les mamans n'ont pas été affectées. Elles n'étaient pas dans les immeubles, dans les tours qui se sont effondrées. Elles ont juste ressenti l'énorme traumatisme psychique de se sentir en perte totale de sécurité. Et si vous vous souvenez, ceux d'entre vous qui avaient l'âge d'être au courant de cette chose-là à l'époque, j'imagine que vous pouvez décrire absolument, parfaitement, ce que vous faisiez quand vous avez appris, quand vous avez vu ces images des attentats du 11 septembre. Vous devez avoir une mémoire absolument photographique et sensorielle, donc, de ce que vous faisiez au moment où vous avez appris ça. Donc, c'est la marque même d'un traumatisme. Eh bien, donc, ce sont des enfants qui sont nés avec un taux de cortisol très différent, et c'est tout l'axe du hypothalamo-hypophysaire et corticoïdes, des corticoïdes qui se trouvent perturbés, c'est ce que dit Rachel Yehuda. Il y a plein d'études maintenant, il y en a une autre sur un plan qu'ils ont appelé le plan Verglas, qui a été une étude au Québec où ils ont l'habitude d'avoir des grands froids, mais là c'était un froid particulier à moins 25 qui a duré plus de 3 semaines, et on a étudié ce qui se passait pour les mamans et les bébés des femmes qui étaient enceintes à ce moment-là, et aussi avec donc des impacts
à la naissance et des impacts sur le développement du bébé dans à peu près tous les secteurs. Donc voilà, je reviens à Alessandra Piontelli. Donc Alessandra Piontelli, elle a observé les échographies, mais c'était des échographies qui duraient une heure, parce que ça faisait partie de ce qui avait été organisé avec l'accord de l'hôpital. Et elle a été observatrice de ces échographies. Elle dit que le mouvement est caractéristique de ce qu'on peut appeler la personnalité du fœtus. Elle dit que les premiers mouvements visibles sont repérés vers 7 semaines et demie. Vous voyez, on n'est pas loin des 8 semaines dont je vous parlais, du début du tact. Et c'est des flexions-extensions de la colonne vertébrale qui entraînent des déplacements passifs des bras et des jambes. Mais ça va s'élargir très rapidement. Et à 10 ou 15 semaines de développement fœtal, elle considère que tout le développement de la motricité est achevé. Vers 10 semaines, on va observer des mouvements de contact du fœtus avec son visage, des mouvements des mains de rapprochement du visage, des étirements, des bâillements, l'ouverture de la mâchoire, des mouvements de la langue. À 12 semaines, des mouvements très fins des doigts et des mouvements de déglutition et de succion. Elle considère qu'aucun modèle néonatal ne peut être considéré comme débutant à la naissance, qu'on trouve chez le fœtus tout le répertoire complet des mouvements qu'on observera après la naissance. Alors, qu'on observera après la naissance et qu'on observera dans la vie, qu'on observera dans le meilleur des cas. Parce que si vous avez vu ce qui se passe dans des échographies, vous voyez des fœtus faire, d'ailleurs, certains modèles ont repéré différentes modalités de mouvements in utero. Certains bébés sont décrits comme acrobates. Donc, ils ont une maîtrise in utero et un développement du mouvement qu'ils ne retrouveront que s'ils deviennent acrobates de cirque et que la plupart du temps seront juste perdus. Donc le mouvement, il est complètement déterminé in utero, il n'est pas une expérience nouvelle, il va être plutôt perdu à la naissance avec la découverte du poids de la gravitation, et donc ça va être un mouvement à reconquérir. Mais vous voyez bien les bébés qui cherchent à mettre leur pouce dans la bouche dès le début, c'est qu'ils essayent de retrouver un geste qui est évidemment rendu beaucoup plus compliqué parce que le monde est devenu beaucoup plus grand avec un espace infini, et arriver à contrôler sa main, ça va leur prendre pas mal de temps. Mais in utero, ça veut dire que in utero, le bébé peut sucer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que in utero, il y a un monde qui se prête à des explorations. À des explorations, et donc un type d'exploration qui va être le type d'exploration que va faire ce bébé-là. Par exemple, elle donne elle décrit lors des échographies des observations qui sont très stupéfiantes. Voilà, je vais vous en lire une. À 24 semaines du développement embryologique, une petite Alice. C'est l'échographiste qui parle, qui décrit, et elle. Elle note juste. Maintenant, sa main est près de sa tête. Elle touche son visage. Elle revient vers la paroi. Elle revient vers le visage. Puis elle revient vers la paroi. À nouveau vers le visage, vers la paroi. Peut-être qu'elle peut ressentir la différence, se demande l'échographiste. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas moi. Moi, non moi. Elle bouge tous ses doigts. Un par un, le pouce, l'index, le médium, l'annulaire, le petit doigt. À ce moment, la maman dit que son mari aime jouer du piano. Donc on a quelque chose qui est extrêmement précis et organisé dans la motricité in utero. Elle va poursuivre ses observations à la naissance, à la maison, pendant 3 ans, parfois même plus, et avec quelque chose qu'elle va confirmée comme une personnalité du fœtus qui
se continue, qui se prolonge, il n'y a pas de rupture, il se développe comme la personnalité du bébé et du petit enfant ensuite. Elle va décrire des choses, elle fait des descriptions de jumeaux qui sont très très impressionnantes parce que pour moi, comme pour beaucoup de gens, la mythologie était que avoir un jumeau, c'était avoir un double, avoir partagé sa vie depuis le départ avec un double, avec quelqu'un d'autre, que ça pouvait poser des problèmes d'identité, mais que ça avait au moins l'avantage qu'on n'était jamais seul. Or, elle décrit des jumeaux qui, dès le départ, se fritent in utero, passent leur temps à se battre, l'un passe son temps à battre l'autre, à lui balancer des coups de pied, et l'autre se retrouve coincé derrière le placenta, à se cacher, là aussi, avec des guillemets, on ne sait pas quelle est l'intentionnalité, mais ce qu'on voit, c'est ça, et des bébés qui vont naître avec une bagarre dès le départ, et qui vont continuer à se bagarrer pendant toute leur petite enfance. Mais sur l'expérience... Là, je vous parle du bébé qui se cache derrière le placenta. Elle raconte des bébés qui sont en relation totale avec le placenta, qui l'utilisent comme un coussin, qui l'attrapent, le prennent dans les bras, le sucent, le tête. L'échographiste, à un moment, dit « Hé, doucement, faut pas trop tirer là-dessus !» 15 jours après, la maman est hospitalisée pour un décollement du placenta. Oh. Le bébé joue avec le cordon ombilical. Donc moi, j'ai appris ça, je ne savais pas du tout. Je savais que le cordon ombilical, il peut être plus ou moins long et que des fois, quand il est un peu long, ça pose des problèmes s'il s'enroule autour du cou du bébé. Mais en réalité, le cordon ombilical, il est élastique et il va être plus ou moins long suivant la façon, l'intérêt qu'aura le bébé de jouer avec. Et un bébé qui joue beaucoup à tirer sur le cordon ombilical, ben, ça va faire un cordon ombilical plus long. Voilà. Donc il y a des expériences de relation, des expériences de contact avec le monde qui sont menées pendant ces 9 mois de la vie intra-utérine et le bébé arrive à la naissance avec ça. Pourquoi parler de langage ? Parce que c'est être en contact, perdre le contact, donc c'est ce qui va être la base de la communication. Un autre auteur italien, Righetti, a parlé d'un mois prénatal et je pense que c'est tout à fait juste de le penser comme ça. Donc que le bébé arrive avec un niveau d'organisation sensorielle, du mouvement et donc un niveau d'organisation psychique, des préférences, un style relationnel, une personnalité. Une autre psychanalyste italienne, Romana Negri, qui a travaillé... Alors, Piontelli, Negri, tout ça, elles ont fait partie d'un courant dans les années 80, je pense, où Melzer, Donald Melzer, qui était un très grand psychanalyste et qui a travaillé avec des autistes et sur les débuts de la vie psychique, et un intérêt très grand pour l'observation de bébés, a supervisé ce travail en Italie pendant plusieurs années. Et donc, ça a été un vrai travail de lien entre ce qui était observé somatiquement et dans les échographies et des hypothèses sur le développement psychique. Et Romana Negri dit, donc avec son expérience de ce travail avec Melzer et de la confrontation des échographies, que les processus d'introjection et de projection, donc qui sont des processus psychiques, commencent déjà dans la vie intra-utérine. C'est pas juste jouer. Peut-être vous avez vu cette vidéo-là, moi je ne l'ai pas, mais je l'ai bien en tête, d'un bébé in utero au moment où on avait fait une amniocentèse, et vous savez, ça se fait avec une très grande aiguille, et il y avait eu une petite bulle de sang qui était restée dans le liquide amniotique, et on voit à la vidéo, si vous avez vu cette vidéo, je suis preneuse d'en retrouver les références, on voit ce bébé avoir cette balle, ça ressemble à un ballon, ça fait à peu près la grosseur d'un ballon par rapport à sa main, faire ce mouvement-là, descendre sa main, et tout ça c'est interprétatif, donc on y met des guillemets, attendre que cette balle redescende dans sa main, et puis la relancer, et puis recommencer comme ça, 5 ou 6 fois de suite. Alors est-ce qu'il joue au ballon déjà in utero ? Est-ce qu'il va devenir un grand
footballeur, handballeur, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il est devenu ce bébé-là, mais il y a un comportement organisé, spécifique de ce bébé-là, quelque chose qui l'a intéressé, qui l'a développé. Donc à partir des éléments sensoriels, c'est la question de, du développement du moi, de l'organisation de ses perceptions et de l'organisation d'une personnalité. Et c'est avec ça que le bébé va arriver au monde. Comment va se traduire le langage émotionnel? Alors, on a eu beaucoup d'études sur ça, sur le chant, mais sur la transmission de la voix, ça a été énormément, énormément étudié. Que perçoit le bébé in utero? L'intonation de la parole est reconnaissable in utero et 30% à peu près des phonèmes sont reconnus dès 28 ou 30 semaines de gestation. Et le bébé peut repérer à ce moment-là les changements acoustiques. Il peut différencier des sons complexes, des syllabes, des notes de musique, et ainsi que différencier une voix masculine d'une voix féminine. Il différencie les modifications de rythme. Donc tout ça, c'est avant la naissance que ça s'installe. Les consonnes sont plus ou moins brouillées, mais les voyelles sont par contre parfaitement perçues in utero, et la prosodie, le rythme et l'intonation, qu'on peut interpréter comme des sons donc, d'enveloppement, parviennent parfaitement dans la vie intra-utérine. Alors, évidemment, ça amène la question de pourquoi et à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a quelque chose de déterminé? Mais qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet? Bien sûr, ce que ça permet, c'est de percevoir par la voix, et la voix de la mère, elle est transmise à la fois par des sources externes et par des sources internes, mais l'intonation, on sait bien que c'est, là aussi on a plein d'études là-dessus, l'intonation est la façon de transmettre les aspects émotionnels de la voix. Une des façons de transmettre les aspects émotionnels de la voix. Il y a une expérience racontée dans le livre de Trevarten qui s'appelle Musique, je ne sais plus comment, La musicalité communicative, c'est un livre en anglais, je ne retrouve plus le titre maintenant. Il raconte une étude qui a été faite dans un hôpital universitaire à Munich et qui proposait à des prématurés de 26 ou 29 semaines, donc tout petits, de 800 grammes ou 1,2 kg, une écoute de séquences enregistrées d'une demi-heure de la voix de leur mère, et 5 ou 6 fois par jour. Et ce qui avait été observé par la chercheuse était que la voix de la mère représentait pour ces tout petits bébés un médium thérapeutique, un substitut de la présence physique et en même temps un symbole de la relation, et que ces bébés se tournaient vers l'émission, vers la zone d'émission sonore et étaient intéressés par cette voix. Alors, elle raconte son trouble, cette chercheuse qui s'appelle, je ne sais plus comment, d'avoir trouvé deux bébés qui, lorsqu'on leur passait l'enregistrement de la voix de la mère, avaient des réactions très inhabituelles. C'est-à-dire qu'alors que tous les autres étaient intéressés et se tournaient vers la voix de la mère, ouvraient les yeux, tournaient la tête quand ils le pouvaient, ceux-là avaient des réactions de repli. Et se replier, fermer les yeux, se détourner, y compris se détourner activement. Ils ont étudié les enregistrements de la voix de ces mamans et ils ont trouvé qu'il s'agissait, à l'âge de 34 semaines, les bébés se mettaient à pleurer, ces deux bébés-là se mettaient à pleurer quand ils entendaient la voix enregistrée de leur mère. Donc elles ont étudié la qualité des enregistrements et la qualité de la voix de ces mères, ces deux mères sur leur corpus étudié, et elles ont trouvé que c'était des mères qui avaient été gravement déprimées et qui avaient des qualités d'intonation et de rythme caractéristiques des voix de mamans déprimées. Ils ont refait les enregistrements, les mamans allaient mieux, elles avaient été aidées, elles avaient été soignées, elles allaient mieux à ce moment-là. Ils ont refait les enregistrements avec donc des mamans qui avaient des voix qui n'étaient plus déprimées, et à ce moment-là, trouver pour ces deux bébés les choses qu'on voyait pour les autres bébés, c'est-à-dire un intérêt vers la voix de la mère. Ah oui, c'est ça, le livre de Trevarten s'appelle Communicative Musicality.
Donc, les affects sont transmis par les aspects d'intonation, et on sait donc depuis les travaux sur le chant prénatal et toutes les expériences qu'on a menées dans les années 80 que le bébé va préférer ce qu'il a connu in utero. On va retrouver, après la naissance, cette même musicalité communicative. C'est la musique du langage, celle qui est donc portée par la voix. Et le bébé de quelques heures va reconnaître les pleurs d'un nourrisson de son âge, qu'il va différencier de ses propres pleurs et de ceux de bébés plus âgés. Il va différencier une tonalité d'approbation ou de désapprobation. Et Papouzek, qui a beaucoup étudié ça, la communication non-verbale, qui est un auteur qui a publié dans les années 80 et 90, donc ancien, dit que, où est-ce que je l'ai ? Il appelle ça le soutien parental intuitif du développement vocal et verbal du bébé, et qui est basé sur l'accordage mélodique, rythmique, qui constitue la base des échanges parents-nourrissons dans ce qu'on a appelé la proto-conversation, et donc l'étude de ces proto-conversations et des relations entre mère et bébé. Et on connaît bien les caractéristiques de ce langage et de ces échanges qui entrent en résonance avec les manifestations vocales du bébé, les soutiennent, les encouragent, tiennent son attention en éveil. Donc c'est le parler bébé pour lequel on a différents termes. Le mamané, qui est le terme qu'on utilise en français, le baby talk. Bon, voilà. C'est la façon de... C'est quoi parler au bébé? Ça veut dire que c'est un langage qui n'est pas informatif, qui est... c'est bon. C'est au moins autant dans le que se communique quelque chose que dans le c'est bon. J'avais été sollicitée il y a quelques années par une maman qui avait de grosses difficultés avec son bébé. Et j'étais à la maison, j'avais assisté à une scène de repas. Le petit avait 5 ou 6 mois. Et c'était très impressionnant parce qu'elle lui parlait en anglais. Mais elle-même, elle n'était pas anglaise. Elle était, sa mère était suédoise. Et l'anglais était une langue importée pour elle. Elle ne lui parlait pas en suédois à son bébé, elle lui parlait en anglais. Et ce qui était très frappant, qui m'avait sauté aux yeux à ce moment-là, c'était que tous les échanges autour de la nourriture, encore une, tu as vu, ça te plaît, tu aimes bien, c'est bon, c'était purement des échanges informatifs. Et manquait toute cette dimension, justement, du mamané, du babitoc, qui est un enveloppement dans le langage et des aspects non symbolisé, non directement langagier, mais qui est justement ce que j'appelle l'épaisseur du langage. Alors on a maintenant beaucoup d'études sur ça qui montrent que ces vocalisations ont des courbes d'intensité et de hauteur de voix qui vont permettre de comparer la voix du bébé avec la voix de la mère, et on va avoir en particulier une alternance rythmique, on retombe sur le rythme dans la succession. C'est des choses qu'on a étudiées également dans les échanges langagiers entre deux personnes, et ce qui va guider, par exemple, on n'a pas étudié ça chez les bébés à ma connaissance, mais on l'a étudié chez les adultes. Quand vous êtes en train de parler avec une personne, comment vous savez quand c'est votre tour? Et vous voyez bien votre malaise avec les gens qui ne comprennent pas quand c'est leur tour. Parce que qu'est-ce qu'ils font, les gens qui ne comprennent pas quand c'est leur tour? Ils viennent toujours vous marcher sur les pieds. Ils parlent en même temps que vous. Moi, là, c'est simple, je suis toute seule à parler, donc vous n'allez pas me marcher sur les pieds. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, vous voyez bien, ou au téléphone, qu'est-ce qui se passe au téléphone? Ou très souvent, plus souvent qu'en réalité, on est à commencer à parler en même temps que l'autre commence à parler. Pourquoi? Il nous manque tous les éléments de tout ce qui nous guide de façon visuelle. Il nous manque un élément. Or, on s'est aperçu dans ces études-là que ce qui donne l'indication qu'on peut rentrer en scène, la porte est ouverte,
c'est un mouvement des sourcils de l'interlocuteur. Vous voyez, donc c'est des choses dont on n'a aucune conscience et qui font notre style relationnel. Mais ce qu'on a étudié dans cette façon dont les bébés et les mamans communiquent, c'est que ce n'est pas strictement une imitation, c'est vraiment un dialogue avec une interpénétration des rythmes. Et ce qu'on voit, c'est que c'est la même chose qui guide les gens qui font une improvisation de jazz, les musiciens qui font une improvisation de jazz, ils se guident de la même façon et on a trouvé les mêmes caractéristiques de diminution du rythme, de diminution de la hauteur qui indique que l'autre peut rentrer à ce moment-là. Qu'est-ce que je veux vous raconter encore ? Donc le bébé va épouser les actions de son partenaire, les pulsations rythmiques qui sont regroupées en phrases musicales, et il va avoir une identification immédiate à ses perceptions, à ses expressions et à ses émotions. Donc c'est cette question du timing dans les relations. Ça veut dire quoi, si on parle de timing ? Alors on va dire quoi ? On va dire que parler, c'est comme une danse. Bah ouais, je crois qu'on peut dire ça. C'est comme une musique et comme une danse. C'est-à-dire, c'est une musique, c'est l'intonation, et une danse, c'est le mouvement corporel. Stern a dit, a parlé à propos de cette question de rythme, qui est un axe central dans sa description de l'accordage, que la perception du temps devait être mise en position de véritable sixième sens. Et je pense qu'il a absolument raison. On trouvait également, si on fait un petit crochet par la psychanalyse, en 1920, Freud décrivait un mécanisme qui permettait de prélever des petites quantités, c'est une citation très célèbre, des petites quantités d'informations sensorielles en ne procédant, dit-il, qu'à des échantillonnages du monde extérieur. Et il comparait ce mécanisme à des palpeurs qui s'approchent du monde extérieur en tâtonnant, donc vous retrouvez bien cette histoire de toucher, et ensuite s'en retirent à chaque fois. Et il disait, sur la question, puisque c'est dans son article sur Au-delà du principe de plaisir, donc il va revenir sur la question du facteur qualitatif à l'œuvre dans ce prélèvement. Et c'est un facteur qu'il pensait déterminant dans la différenciation des expériences de plaisir et de déplaisir. Et il se dit, qu'est-ce qui fait la différence ? Peut-être est-ce le rythme, l'écoulement temporel dans les modifications, augmentations et diminution de la quantité de stimulus. Nous ne le savons pas, dit Freud en 1920. Donc on ne le savait pas. Je pense que Freud serait très intéressé de savoir ce qu'on sait maintenant. Maintenant, on le sait. Oui, c'est le rythme. Et le rythme, ça commence très tôt. Ça commence avec le tenu lâché, déjà dès le début de la vie. Donc l'organisation temporelle et la nature gestuelle de la parole. Alors, qu'est-ce que c'est cette danse ? Qu'est-ce que c'est cette nature gestuelle de la parole ? On a des travaux très anciens, qui sont des travaux de Condon et Sander, donc c'est en 1974, avant qu'on utilise les ordinateurs pour analyser les images. Condon et Sander, ils ont travaillé d'une façon laborieuse et un peu comme des fourmis, en filmant des gens qui parlent et en analysant image par image ce qui se passe dans les réactions des uns et des autres. Donc image par image, ils ont trouvé qu'il y a une résonance chez l'interlocuteur, il y a le locuteur et l'auditeur, qu'il y a une résonance chez l'auditeur, une résonance corporelle de tous les mouvements que fait celui qui parle. Les mouvements, je vous ai dit tout à l'heure, moi je parle avec les mains, mais là, ils ont étudié des gens qui parlaient sans bouger, et ils se sont aperçus que des gens qui parlent sans bouger bougent de toutes les façons, sans en avoir conscience, montent un sourcil, bougent leur posture, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement très important, très repérable, mais se redressent, mettent une épaule en retrait,
vont détourner un petit peu le regard. Ils ont observé ça image par image et montré qu'il y a une réceptivité du langage gestuel corporel du locuteur et une imitation inconsciente chez l'auditeur de ce langage corporel. Alors, en 1974, on n'avait pas la moindre idée de comment ça se faisait. Mais ils ont montré ce mécanisme-là de façon très claire. Ils l'ont montré, ils ont fait plein de travaux. Ils parlent d'une danse en harmonie, les gens qui parlent. Et donc, on retrouve bien cette question du rythme. Maintenant, on sait maintenant comment ça marche, grâce au progrès de la technologie et au progrès de l'imagerie médicale, donc qui nous montre le cerveau en action, qui nous montre ce qui se passe dans le cerveau, et vous avez entendu parler de ça, des neurones miroirs, qui sont une découverte majeure d'il y a quelques années, qui ont été décrits au départ, étudiés chez le singe, et puis ensuite chez l'homme, mais décrits comme la façon... Si on me met des électrodes sur la tête, tiens, voilà, je vais profiter pour boire un peu. Voilà, ce que je vais faire, je vais boire un verre d'eau, et on va imaginer... que j'ai des électrodes sur la tête qui montrent ce qui se passe dans mon cerveau. D'accord ? La vôtre. On va voir que plein de zones se mettent en marche. Des zones motrices également. Des zones motrices évidemment, mais également des zones visuelles, des zones du langage. Bon, certaines zones se mettent en activité et on les voit très clairement quand on a des images qui nous montrent ce qui se passe quand on fait un scanner à ce moment-là. Mais si vous qui me regardez, vous avez les mêmes électrodes, on va voir les mêmes mouvements. C'est ça les neurones miroirs. Alors au départ, ça a été décrit comme la transmission, la perception des mouvements volontaires de l'autre. Ça a été les débuts de ces travaux. Mais maintenant, on en est bien loin parce qu'il y a de toutes les façons quelque chose qui était extrêmement troublant et dont on a tous l'expérience, qui est la contagion d'un mouvement non volontaire, qui est la contagion du bâillement. Vous savez bien, un bon bailleur, on dit, il en fait bailler plusieurs, donc je vais vous faire bailler. Moi, il suffit que je pense ce bâillement pour que je baille. J'utilise beaucoup ça avec des patients. Quand un patient baille, j'utilise ça, parce que ça me fait bailler, mais j'en fais quelque chose. Je dis, ah, on va faire un concours de bâillement maintenant. Vous savez, c'est contagieux, le bâillement. Alors, vous me faites bailler, alors je vais vous faire bailler. Quand c'est des enfants, je dis, en plus, ça fait pleurer. Quand on va sortir, ton papa va se demander ce qu'on a fabriqué pour sortir avec les yeux en larmes. Bon. Donc ça, c'est pas volontaire, le bâillement. Mais ça se contamine. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une perception non consciente, dont on n'a pas conscience, mais qu'on a une perception de quelque chose qu'on voit, des tout petits signes qui sont manifestés par l'autre, pas qui sont indiqués, parce que indiqué, ça dirait qu'il y a une intentionnalité, mais qui sont manifestés par l'autre, qu'on les perçoit, qu'on les reçoit, et qu'on agit de la même façon par mimétisme. On a des études qui sont des études absolument fascinantes, qui montrent la compréhension intuitive qu'on a, intuitive et inconsciente qu'on a, du langage corporel. Alors, moi je ne suis pas chercheuse, je le regrette beaucoup, je suis très impressionnée par les chercheurs, et en particulier par l'inventivité dont ils doivent faire preuve. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont chercheurs dans ces domaines et vous en savez plus que moi, et alors vous allez nous apporter ça. Mais quand ils veulent isoler, par exemple, comment on va montrer qu'on perçoit le sens d'un mouvement corporel? Comment on va montrer ça? Alors, voilà ce qu'ils ont trouvé. C'est les travaux de Béatrice de Gelder, mais il y en a d'autres. Donc, ils ont fait évoluer des acteurs habillés en noir, sur fond noir, qu'ils ont filmé avec des lumières sur les points d'articulation. Et ils ont demandé à ces acteurs de se déplacer dans une pièce, de rentrer dans la pièce, de sortir de la pièce avec colère, avec tristesse, avec joie, donc d'exprimer des émotions. Ils ont filmé ça, et donc ça donne une série de points lumineux qui se déplacent. Et on montre ça, et là l'expérience commence, on montre ça à des gens qui regardent, et on leur demande, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est un homme, c'est une femme, il rentre, il sort, il fait quoi?
Et on a des concordances de plus de 80% où on retrouve, dans les expériences qui ont été faites, les personnes qui visualisent ces points qui se déplacent sur un écran peuvent dire c'est quelqu'un, c'est un homme qui rentre ou qui sort, qui est en colère ou qui est content, qui est joyeux ou pas. Qui sont incapables même de dire pourquoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'intuition ? Qu'est-ce que c'est l'intuition ? L'intuition, pour moi, c'est exactement ça. C'est le décodage immédiat, intuitif, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais c'est le décodage immédiat de ce qui a été vu dans les manifestations corporelles de l'autre. Vous n'avez pas marre de m'écouter ? Vous n'êtes pas endormi avec cette histoire de bâillement ? Je peux vous raconter quelque chose que... Vous allez entendre David Cohen, je ne sais pas s'il va vous parler de ça, mais c'est à mon sens la seule étude qu'on a là-dessus, sur quelle transmission on a et si il y a un plus du côté des psychanalystes pour percevoir des éléments qui ne sont pas dits. Voilà l'expérience qu'ils ont montée. David Cohen, il avait travaillé, quand je l'ai entendu, il racontait cette expérience-là, il avait travaillé avec un collègue au Kremlin-Bicêtre qui s'occupait d'enfants souffrant d'un cancer et qui lui avait demandé de recevoir les frères et les sœurs de ses enfants donc, qui souffraient d'un cancer, et il les avait reçus. Et puis une vingtaine d'années après, il a retrouvé ses frères et sœurs, donc ayant vécu ce traumatisme-là, d'avoir quelqu'un de la fratrie qui avait souffert d'un cancer, et il leur a demandé, voilà l'expérience qu'il a montée, il leur a demandé de se filmer tout seul pendant 5 minutes et d'expliquer ce qu'ils voulaient. Il leur a un peu expliqué ce que c'était qu'une association libre et dit qu'ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient, se présenter, raconter une histoire, faire ce qu'ils voulaient, sauf dire évidemment que quand ils étaient petits, ils avaient eu une petite sœur qui était morte d'un cancer. Ça, ils ne devaient pas le dire. Mais à part ça, ils avaient champ libre. 5 minutes. Il obtient donc des vidéos de gens qui ont connu, qui ont eu ce traumatisme-là, et puis un groupe standard, tout ça a été fait avec une méthodologie béton, et un groupe apparié de gens qui n'ont pas vécu ça. Et là, l'expérience commence. Il va montrer ces vidéos à un certain nombre de personnes, ça se passe toujours en individuel, en leur demandant si, oui ou non, cette personne qu'on voit sur la vidéo a vécu ce traumatisme-là. Oui, non, je ne sais pas. Et ça, c'est l'expérience. Parce que ces vidéos vont être montrées à des gens qui sont des psychiatres, spécialistes en TCC, donc des gens reconnus dans les thérapies comportementales, des psychanalystes. Alors il dit, c'est pas n'importe quel psychanalyste, c'est des psychanalystes qui se sont confrontés. Ben, c'est pas juste des psychanalystes qui ont formé d'autres psychanalystes en bougeant pas de derrière leur divan. C'est des psychanalystes qui se sont confrontés à des pathologies lourdes, mais qui sont vraiment psychanalystes. Je sais pas qui c'est. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'était des étudiants en médecine et puis des gens qui avaient vécu, qui étaient des gens divers, mais qui avaient vécu la même chose, c'est-à-dire qui avaient vécu l'expérience d'avoir dans l'enfance un frère ou une sœur qui avait eu un cancer. Ce que ça a donné, c'est que pour tout le monde, la répartition est aléatoire. Dans les groupes, oui, non, à peu près 1 sur 2. Sauf pour le groupe des psychanalystes. Le groupe des psychanalystes a reconstitué les groupes expérimentaux et dit reconstituer complètement, sauf pour un cas, pour lequel ils se sont trompés. Ils ont dit que ce jeune homme n'avait pas vécu le traumatisme d'avoir un frère ou une sœur ayant souffert d'un cancer, alors qu'en réalité c'était le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont tous trompés sur le même. Les psychanalystes se sont tous trompés sur le même. La seule chose que je sais, je ne sais pas si David en sait davantage, mais la seule chose que je sais, c'est que ce qu'il en a dit, c'est que c'était un jeune homme qui disait qu'il avait fait une thérapie dont il se disait content. Donc ce que ça montre, à mon sens, c'est la seule étude là-dessus. Ce que ça montre, c'est que d'avoir vécu la même chose n'est pas suffisant pour comprendre, sentir, développer son outil intuitif. De souhaiter faire médecine et d'être un étudiant en médecine n'est pas suffisant pour avoir un outil intuitif, empathique, suffisant pour comprendre des éléments qui sont non dits.
Par contre, être psychanalyste, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'avoir fait cette expérience-là de travail sur soi-même et de travail sur la souffrance des autres a augmenté la capacité, la palette, comme quelqu'un qui est, comme un peintre, a davantage de perception, un registre de couleurs plus étendu, comme un œnologue a davantage de capacité de discriminer les goûts d'un vin que moi, comme quelqu'un qui travaille sur les parfums a davantage de palettes, de registres d'odorat que la plupart des personnes normales. Eh bien, on peut dire ça, que être psychanalyste et faire cette formation-là, cette approche-là, est une augmentation de sa palette intuitive qui permet de ressentir des choses que les gens n'ont pas dit. C'est-à-dire que notre outil clinique le plus efficace, c'est notre pifomètre, à condition qu'on l'ait travaillé. Voilà, je crois que c'est un peu comme ça que je le dirais. Bon, bref, où j'en suis là? Où j'en suis là? Ah oui, le langage s'origine dans le geste. Ça, c'est intéressant. Le langage s'origine dans le geste. Alors, on a plein d'études en boucle, là, qui montrent, vous savez qu'il y a un moment, vers 5 ou 6 mois, où les bébés changent de mode de babillage. Pour le dire un peu vite, jusque-là, ils ont babillé de façon internationale, et là, ils commencent le babillage national. Les orthophonistes et les linguistes appellent ça le passage au babillage canonique. Ça se traduit par un appauvrissement des sonorités, un appauvrissement et une sélection. Ce passage-là, au babillage canonique, est prédictif de l'apparition du langage. C'est-à-dire que c'est un prérequis qui va... Les bébés qui n'ont pas fait ce passage-là auront un langage retardé. Mais si on remonte avant ce passage au babillage canonique, lui-même, il est prédit par l'utilisation des frappés rythmiques. La période où les bébés découvrent les hochets, vers 4 mois et demi, où ils sont fans de ça, de tout ce qui va pouvoir être tapé, frappé. Et c'est pas juste, on leur donne des objets avec des grelots, mais c'est pas ça qui est important. Vous allez travailler, Maya Gracier va être là, j'ai vu dans le programme, elle a beaucoup travaillé sur les rythmes. C'est pas le fait que le rythme lui-même du hocher soit sonore, c'est le rythme lui-même que fait le bébé, le frappé rythmique qu'il fait. C'est-à-dire que dans cette période-là, le monde est un monde à explorer rythmiquement. Et bien ça, quand les bébés font ça, ça prédit avec un petit peu d'avance le passage au babillage canonique, c'est-à-dire que c'est le geste qui inclut et qui prédit le langage et qui est une partie inscrite dès le début du langage. Ça, je pense que c'est aussi intéressant. Et moi, je suis donc très intéressée par les origines, et donc je me suis intéressée à l'embryologie, mais je me suis aussi beaucoup intéressée à la préhistoire, évidemment. À la préhistoire de l'humanité, comment nos ancêtres, homo divers, sapiens et autres, comment ont-ils commencé à penser? Qu'est-ce qu'ils ont commencé à penser? Qu'est-ce qu'ils avaient comme idée? Évidemment, quand on a à moins 40 000 des peintures pariétales extraordinaires pour lesquelles ils ont fait des véritables exploits pour aller les faire, on sait que c'était une motivation purement psychique. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dans leur tête? Et un préhistorien dit que le langage et l'art sont l'apanage des homo sapiens, mais que les humains de type néandertal, vous savez, qui ont été une branche qui a disparu, mais qui ont été dans un même temps, pendant une période, à 40 000 par exemple, il y avait encore des néandertals, il suppose qu'il communiquait par la musique, à l'aide de phrases qu'il dit holistiques ou qu'il appelle, j'aime beaucoup moi cette expression-là, le langage mm-mm, le langage mm-mm. Et il y a, j'avais rencontré des collègues qui travaillaient là-dessus en Argentine, toute une étude sur, alors on trouve ça sur Internet maintenant, c'est assez fascinant, sur un langage inuit qui est un langage de gorge, et qui est le langage entre mère et bébé, et c'est des chants de gorge et des sonorités de gorge. Et bien voilà, il dit, ça a dû être le premier langage utilisé, et il pense que le mamané correspond
a les mêmes caractéristiques que ce qu'il appelle ce langage et que c'est l'intonation, le rythme et la mélodie qui étaient déterminants dans une association avec des niveaux de chant et de danse. Et une musicologue avec laquelle il a travaillé, qui a associé ses propres observations, considère que le but de la musique et de la danse qui étaient associés, qui sont obligatoirement associés, était de se rassurer, de diminuer et de contrôler l'anxiété en renforçant les liens au sein du groupe. Et que, de la même façon qu'on le voit dans la communication mère-bébé, mais quand on utilise des approches groupales, des approches musicales, des approches de danse et de groupe avec des pathologies très graves, c'est ça qu'on vise. C'est à retrouver un apaisement de l'anxiété avec la constitution d'un lien qui est un lien par le fil sonore et par le niveau sous-jacent du langage qui est le niveau musical et le niveau corporel. Elle dit que les capacités pour la musique et les modalités de constituer un groupe ne tire pas d'origine du côté sexuel, que ce n'est pas en lien avec l'attraction sexuelle, mais qu'il s'agit d'amour et de mutualité. Alors ça peut paraître un peu paradoxal pour une psychanalyste d'être d'accord avec ça, mais je le crois vraiment. Je pense que le premier, la base de notre constitution, c'est ce que je vous ai dit du tenu lâché, c'est d'être en contact, et que la base, c'est le toucher, que c'est ensuite que ça deviendra du toucher sexuel. Mais que d'abord, il s'agit de toucher, d'être au niveau de la peau, et c'est évidemment très montré par tous les travaux de Bowlby, qui a travaillé là-dessus toute sa vie. Vous voyez bien qui est Bowlby et ses travaux sur l'attachement chez les petits singes, chez les bébés singes. Et Bowlby a montré que la théorie psychanalytique de l'attachement était celle de Freud de l'époque, était que c'était un attachement par étayage, c'est-à-dire que le bébé s'attachait à sa mère secondairement parce qu'elle satisfaisait ses besoins. Ce qu'a montré Bowlby avec cette expérimentation très simple d'avoir une mère nourricière avec en fil de fer avec un biberon et avoir la même mère non nourricière recouverte de fourrure et de voir que le bébé restait sur la mère nourricière le strict temps limité de prendre son biberon et par contre passer le reste du temps sur la mère en fourrure, que dès qu'il y avait un stress, qu'on introduisait dans la cage un objet stressant, le bébé se réfugiait sur la fourrure, on ne peut pas dire dans les bras, il n'y avait pas de bras, mais sur la fourrure, donc en contact avec la peau de la mère non nourricière. Donc, exit la théorie de l'étayage sur la satisfaction du besoin, et je crois que ça a entraîné une certaine mise au placard de Bowlby par rapport au monde psychanalytique, parce que on en parle souvent comme c'était un psychanalyste, il était membre de la Société psychanalytique britannique, il a été le directeur de la Tavistock pendant plusieurs années, c'était vraiment un psychanalyste qui avait fait sa formation de psychanalyste, après qui s'est passionné pour la recherche et donc qui a travaillé sur l'idée que la peau c'est le premier lieu de l'attachement et le premier besoin, et c'est tout à fait conforme à ce que je vous raconte, ça commence avant, déjà dès le début de la vie, d'aller chercher à toucher, d'aller chercher à être en contact avec l'autre. Alors, je ne sais pas si je vous raconte tout ça, vous n'avez pas marre? Est-ce que vous voulez intervenir un peu pour me parler un peu de votre expérience à vous? Peut-être ce qu'on va... Voilà ce que je vous propose. Je vais continuer à vous raconter ce que j'ai, ça va, c'est bon? Et puis, on va essayer de voir, et là, de partager des choses au niveau des implications thérapeutiques que ça peut avoir. Parce que je pense que là, moi, il y a la façon dont moi, j'ai intégré ça dans ma façon de travailler avec mes patients, qui est une pratique psychanalytique classique, mais il y a beaucoup d'autres modalités dont je me suis inspirée, et je pense que là, on peut vraiment partager des choses sur
l'impact et l'importance de reconstituer le contact. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit « ça me touche beaucoup » ? Voilà encore un autre mot. « Ça me touche beaucoup », est-ce que ça veut dire qu'on est touché physiquement ? Non, c'est sur le plan émotionnel, on est touché, mais on parle bien de la même chose. Être touché émotionnellement, c'est être touché au niveau de la peau. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau, si on revient au bébé, à la naissance, on va avancer un petit peu. Donc il a déjà une expérience du monde sonore. Mais par contre, ce qu'il va découvrir à la naissance, ça on peut être sûr, c'est sa propre voix. À la naissance, le premier cri du bébé, il y a des chances, on ne s'en souvient pas, il y a des chances que ça représente une vraie nouveauté. Les mouvements, non, mais ça, c'est une vraie nouveauté. D'entendre sa propre voix. On peut peut-être penser que c'est une surprise aussi. Et ensuite, le bébé va devoir apprivoiser son mode de communication verbale. D'abord, il va communiquer par les cris. Dans les deux premiers mois, il n'a pas la possibilité, du fait de la position haute du larynx, il n'a pas la possibilité de répondre et de s'exprimer de la même façon. Ça va descendre progressivement le larynx au cours des trois premiers mois et donc permettre une modulation. Mais au début, les cris vont constituer son premier langage vocal. Et donc, on a des études très précises qui montrent que les cris du bébé lui permettent, sont en lien avec son état émotionnel et lui permettent de l'exprimer, qu'il y a des modalités différentes de cris. La plupart du temps, les mamans vont apprendre, elles ne le savent pas au départ, mais vont apprendre à décrypter ces cris et à dire « Ah là, il pleure, ah non, mais là, c'est qu'il n'est pas content, là, c'est qu'il a sommeil. » C'est toujours très surprenant quand vous êtes témoin, on dit « Qu'est-ce qui fait que là, elle a compris ça ?» Eh bien, c'est le travail de la maman. Alors, il y a des outils qui permettent, vous savez, on vit une époque formidable où tous nos sujets d'angoisse trouvent une solution par Internet et carte bancaire interposée. Et donc, si vous êtes inquiète de ne pas savoir décrypter les cris de votre bébé, qu'à cela ne tienne, on achète un petit outil qui l'enregistre et qui vous affiche sur un petit écran en colère, affin, émouillé, assommé. Pas de la blague, hein. C'est pas de la blague, je pense que c'est une véritable catastrophe, comme tous ces objets qui nous rendent service sont des véritables catastrophes et des objets pervers. Pourquoi ? Parce que c'est un objet qui va entraver le travail psychique de modification que va devoir faire tout parent, qui va être de comprendre son bébé. Ça va éviter le tâtonnage au-dessus, c'est à mettre, ça va éviter le tâtonnage, le fait de ne pas savoir, l'inquiétude, exactement comme toutes les mamans ont peur en donnant le premier bain à leur bébé de le laisser tomber dans l'eau, de le noyer, et de la même façon, qu'à cela ne tienne, par carte bleue et internet interposé, on nous fournit des matelas spéciaux avec des trous qui permettent de baigner le bébé sans avoir peur, et puis des baignoires avec des transats, et puis des sièges ensuite fixés à la baignoire, etc., etc. Tout ça qui évitera l'angoisse et évitera le travail d'appropriation de l'angoisse, évitera de faire confiance à ce qu'on voit, à faire confiance à ses propres capacités à comprendre et à voir, et confiance aux capacités de l'enfant lui-même d'organiser son monde. Alors là, je vous parle d'autre chose, mais je pense que c'est la même chose que ce qu'on va voir avec l'adolescence et les téléphones portables. Il n'y a pas de problème avec le téléphone portable. Je suis toujours en contact, je sais toujours où il est. Voilà, exactement, un objet pervers qui nous rend service en nous évitant l'angoisse et qui donc entrave ce travail psychique qui doit être d'augmenter sa confiance en soi et en l'autre et de faire cette élaboration-là. Voilà, je clôt ma parenthèse, mais c'est un peu un... Enfin, je dis ça chaque fois, je pense que c'est un vrai, une vraie nécessité d'être alerté sur ça, parce qu'on vit de plus en plus, en déplaçant sur les objets, des choses qui correspondent à des difficultés pour nous-mêmes de les absorber, de les transformer, et de les apprivoiser. Et que déléguer cette capacité psychique à des objets est une véritable amputation.
c'est mettre une prothèse. Là, et on vit tous avec des prothèses, hein. On a des lunettes, d'accord ? Ça nous permet d'y voir mieux. Mais si on met des lunettes quand on n'en a pas besoin, alors on va sûrement abîmer sa vision. Mais c'est un peu ce qui se passe avec ces objets-là. C'est pour ça que je pense que ce sont des objets pervers. Et que je le dis, que je le répète, je suis désolée si vous m'avez déjà entendu dire ça, mais je pense qu'il faut qu'on soit absolument, nous, qui travaillons avec des petits, avec des enfants, avec des bébés, avec leurs parents, il faut qu'on fasse un vrai effort de connaître ça et d'y réfléchir, parce qu'on est dans ce monde-là. Et les jeunes collègues vivent encore plus que les vieux dans un monde où l'utilisation des machines rend service. Et je sais pas, on est arrivé hier avec le GPS. Si on n'a plus de GPS, on est perdu. Voilà. Maintenant, tout le monde va être dans un état de handicap, comme moi j'ai toujours été, d'être perdu dans l'espace. Maintenant, tout le monde va devenir comme ça. Par la délégation, si on veut avoir une vision paranoïaque, on peut tout à fait l'avoir et dire que plus personne ne sera capable de se déplacer et de trouver son chemin. Dans les états de dictature, autrefois au Brésil, on ne trouvait aucune carte routière parce que les cartes, c'était la possession de l'armée. Et bien maintenant, ce n'est plus les cartes, c'est les satellites et les GPS. Donc bon, ça, c'est la petite inclusion paranoïaque. Mais le fait que les objets nous déprivent d'une transformation personnelle qui est nécessaire et indispensable, je suis absolument convaincue de ça, et qu'il faut qu'on le considère comme quelque chose qu'on doit penser. Encore un petit exemple de ça, nos lieux de consultation ressemblent à la vitrine de Toys R Us, d'accord ? On est responsable de ça. On parle du langage, quand on fait ça, qu'on reçoit des parents dans la vitrine de Toys R Us, d'accord ? Avec tous les objets qu'il faut, tous les objets pour tous les âges. On leur dit quoi sans leur dire ? On leur dit, pour être des bons parents, c'est ça qu'il vous faut. On s'en rend même pas compte, mais c'est ça qu'on fait. Moi, j'avais une consultation parent-bébé très importante, qui m'a occupée pendant plus de 25 ans. J'avais remplacé, quand je me suis rendu compte de ça, je m'en suis rendu compte avec des parents que j'avais vus que deux fois et qui me disent « Ah, ça va être bientôt Noël, qu'est-ce qu'on peut offrir à un bébé de 6 mois pour Noël ?» Alors moi j'ai pensé qu'ils parlaient d'un bébé, de leurs amis. J'ai dit « Ben je sais pas, on va parler un peu de comment il est ce bébé, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie, comment il est. » « Ah non, mais c'est lui là, c'est notre bébé. » Ah ben alors on va le regarder, on va voir ce qui l'intéresse. Et ce bébé, il était pile dans la période où il s'intéressait à taper. Et moi j'avais dégagé toutes mes affaires, tous mes objets spécialisés de périculture, et j'avais remplacé par des objets de la vie quotidienne. Donc des saladiers, des boîtes en plastique, des cuillères en bois, et donc ce bébé était... Et des bouteilles en plastique, mais pas des bouteilles comme ça, là on va faire un peu de pub, des bouteilles avec un col long, vous voyez, style... Perrier ou autre, qu'on peut attraper facilement et on met dedans des nouilles, des lentilles. Et donc les parents ont vu ça, ils ont dit « Ah, alors il faudrait lui offrir une bouteille en plastique et une cuillère en bois et un saladier. Merci Madame Pratt, on va faire des économies pour Noël. » Eh bien oui, évidemment, c'est de ça que ce bébé a besoin. Et la question de quoi a besoin un bébé de 6 mois ou de 3 mois ou de 4 mois est une délégation à des spécialistes qui pensent aux besoins dans l'abstrait à tout bébé de 6 mois qui auront tous les mêmes besoins. Donc je crois qu'on a une responsabilité massive dans l'espace qu'on organise et ce qu'on dit, qu'on ne dit pas dans le langage. Tout ce qui est notre arrière-plan du langage et ce qu'on installe aussi dans la scène qu'on organise dans nos consultations. Qu'est-ce que je veux vous dire encore ? Alors, je peux faire un... je retrouve la même chose avec les chansons. D'accord. La plupart des mamans n'ont plus de berceuse, n'ont plus de répertoire, et elles préfèrent les disques ou les boîtes à musique. Et une grande partie de mon travail, c'est de leur faire prendre conscience, pour elles et avec leur enfant, que quand elles chantent, quand les parents chantent, c'est complètement différent. Et à l'unité, ben tout le personnel s'est mis maintenant aussi à chanter directement avec les mamans.
Et voilà, ça serait une invitation aussi à ce que vous puissiez chanter parfois avec vos patients, les personnes que vous rencontrez. Je trouve que c'est particulièrement aigu avec les mamans immigrées qui donnent un disque à leur bébé et qui disent « Oui, mais moi, je ne les connais pas, ces comptines-là. » Alors, on va pouvoir parler de « Mais vous, qu'est-ce qu'on vous chantait quand vous étiez petite ?» Et souvent, qui sont des chansons oubliées, et je trouve que ça a quelque chose de très, très émouvant d'accompagner la recherche de ces mamans qui peuvent interroger leur mère, leur grand-mère, des sœurs plus âgées, pour retrouver des chansons du pays. Et les retrouver pour elles-mêmes, c'est-à-dire se connecter elles-mêmes à leur base ancienne de langage de bébé. Je trouve que c'est... Bon, je vais terminer là-dessus sur... Bon, après, la mise en forme, Geneviève Vague a parlé du théâtre des mains, ça raconte bien ça, c'est comment le bébé va se structurer, se construire, en utilisant ses propres mains pour rassembler son espace et son identité. Donc le théâtre des mains, ça nous donne une clé magnifique pour comprendre l'histoire que raconte le bébé. Et pour moi, le bébé est l'enfant très malade. Dans ses gestes, il raconte quelque chose. Alors je ne peux pas vous le mimer, mais il raconte quelque chose. Il raconte deux mains qui sont séparées et puis qui viennent se retrouver. L'une va prendre l'autre. Ah, elle se lâche. Ah, ensuite ça change. C'est l'autre main qui attrape l'autre. Ah, elle s'en va. De quel côté elle s'en va? Si on a l'idée que ça, ça raconte une histoire, que ça, c'est un langage, je crois que ça nous permet de visualiser, de voir ce qui se joue, ce qui se passe et ce que le bébé raconte dans son langage corporel. Ça, c'est pour les bébés. Les bébés, vous savez aussi, sur la question du rythme, ça a été montré très, très, très bien sur l'aptitude des bébés à repérer la désynchronisation. Mais si vous avez en tête ce que je vous ai dit du développement in utero, il a déjà passé 9 mois à travailler cette question-là du rythme. Donc ça n'a rien de mystérieux qu'il arrive à la naissance avec une très grande capacité à discriminer les rythmes et à discriminer les synchronisations, discrimination. Il a 9 mois d'expérience derrière lui de faire ce jeu-là, de faire ce jeu du toucher-lâcher. Donc c'est pas un mystère. On peut le comprendre si on s'appuie là-dessus. Comment on a montré ça? De tas de façons, mais une des façons très claires, c'est que un bébé qui parle en interaction avec sa mère, il comprend très vite qu'on peut filmer la mère et projeter l'image sur un écran, et il rentre très vite dans cette communication-là. Il communique avec l'écran, avec la mère. Sauf que ce que ça permet, c'est de faire des petits décrochages, de reculer, de retarder un petit peu la réaction de la mère d'un dixième de seconde. Et ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que là, je pense que vous allez avoir pas mal de choses sur ça dans ces jours qui viennent. Ce qu'on voit à ce moment-là, c'est que ça désorganise le bébé. Ça désorganise un peu de la même façon qu'on l'a observé avec cette expérience terrible du still face qu'on connaît bien, vous savez bien, quand on demande à la maman d'avoir un visage impassible, et on voit que ça désorganise complètement le bébé, qui va chercher à récupérer le contact avec la mère, puis qui va se détourner, pleurer, puis y renoncer, se replier. On a des espèces de moments, presque des moments autistiques expérimentaux à ce moment-là. Eh bien, de la même façon, avec les désynchronisations, ça désorganise complètement le bébé. Le bébé, mais pas que. Parce que l'expérience du still face, on l'a fait également dans des groupes de sociodrame. On demande à des gens de jouer une scène en groupe. Et à l'intérieur, ça c'est l'expérience, il y a un acteur qui est là pour avoir le visage impassible. Et puis tout ça est filmé et on regarde. Et ce qu'on voit, c'est que ça désorganise tout le monde. Il y en a un qui reste impassible. Alors, s'il y a des psychanalystes parmi vous, ça nous amène évidemment à nous demander qu'est-ce qu'il en est de la dite neutralité bienveillante. Est-ce que c'est du still face? Si on le pense comme ça,
alors on va penser que la neutralité, c'est pas bienveillant, que la neutralité, c'est malveillant, parce que ça a des impacts négatifs. Par chance, même quand on veut être neutre, on l'est pas, puisque on parle toujours de façon inconsciente avec notre corps et avec notre musique et notre mise en espace. Je veux juste vous dire, et je vais terminer sur ça, puis on va discuter maintenant des applications thérapeutiques, parce qu'elles sont, c'est plein de conséquences sur le plan thérapeutique. Moi, j'ai appelé ça le mode de communication. Au départ, quand j'ai commencé à travailler ça, j'ai dit, je vous ai parlé de Don Giovanni, j'ai dit, en fait, la communication, c'est comme un opéra. Et je parlais de l'opéra comme une métaphore de la communication. Mais en réalité, c'est pas comme, c'est un opéra, c'est ce même modèle. C'est-à-dire qu'on a trois niveaux de langage. On a le livret, les mots là que j'ai écrits, que je vous enverrai si vous me le demandez. Les mots, le livret, l'histoire. L'histoire, dans les opéras, vous savez, qui est toujours une histoire, la plupart du temps, absurde, une histoire hautement improbable, la plupart du temps aberrante. Ça, c'est l'histoire racontée. Et puis, dans l'opéra, il y a la musique. La musique, évidemment qu'il y a une place prépondérante, la musique, la voix, le chant, l'orchestre. Et puis il y a la mise en scène. Et donc c'est une histoire racontée avec trois niveaux de langage. Trois niveaux de langage, la mise en scène ça veut dire quoi? C'est se rapprocher, s'éloigner. Se rapprocher, s'éloigner. Il y avait un type qui a monté une école de théâtre internationale qui est mort maintenant, qui s'appelait Lecoq, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a publié deux bouquins et qui était, lui, avant d'être, de faire du théâtre, il était un sportif de haut niveau, je crois qu'il était tennisman, je ne suis plus sûre. Il était un sportif de haut niveau, et il a commencé à utiliser le sport dans des perspectives un peu thérapeutiques, dans des styles hôpital de jour, et donc il a beaucoup travaillé sur ça, et il a monté une école de théâtre où il faisait travailler ses acteurs avec des masques blancs. Donc, ça veut dire quoi? Qui faisait travailler à ses acteurs l'expression émotionnelle, pas sur le visage, qui est le plus facile, mais sur l'ensemble de la posture, sur l'ensemble de la gestuelle. Eh bien, la mise en scène, c'est ça. Et lui, il dit qu'il y a deux mouvements. Il ne dit pas tenue lâchée, ça c'est moi, mais lui, il dit pousser, tirer. Et je pense que ça revient exactement au même. Pousser, tirer. C'est deux mouvements qui sont les guides de tous les mouvements corporels. Si vous regardez, si vous avez autour de vous des adolescents en crise, vous voyez bien, ils s'amènent pour vous parler, et puis ils sont avec leur manteau monté jusqu'au nez, leurs cheveux devant... Là, vous voyez très bien que c'est la fermeture. D'accord ? Mais la fermeture, elle peut être sur des tout petits niveaux corporels. Des niveaux de détournement du regard, de toutes les façons on ne se regarde pas tout le temps, on est toujours dans un aller-retour, dans une tenue lâchée, et ça c'est le niveau de la gestuelle. Alors ce qui est intéressant pour nous cliniciens, c'est que comme dans l'opéra, ça raconte une histoire à trois niveaux. Dans le meilleur des cas, on va dire ça raconte la même histoire, dans le meilleur des cas. Mais à l'opéra, souvent, et c'est vraiment un des ressorts de l'émotion de l'opéra, c'est que souvent ça raconte des histoires différentes. Et à l'époque où on n'avait pas accès immédiatement au texte, on pouvait, je me souviens d'avoir entendu un opéra que je ne connaissais pas et d'entendre quelque chose que j'ai pensé comme un dialogue, comme une déclaration d'amour, comme un dialogue amoureux. Quand j'ai eu le texte, je me suis aperçue qu'en réalité pas du tout, ces deux-là étaient en train de s'exprimer toute leur haine. Mais la musique ne disait pas ça, mais le texte disait ça. Mais à la fin de l'histoire, c'était le sens musical qui prévalait, et il se révélait qu'en réalité, une histoire d'amour entre ces deux-là, et ta-ta-ta-ta-ta. Bon. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nous? C'est que si on s'en tient juste au niveau du livret, alors on peut prendre pour argent comptant, et pour la totalité, une petite partie du langage, qui peut être totalement en contradiction avec les niveaux sous-jacents, qui sont les niveaux infracorporels, qui sont le niveau de la musique et de la danse, de la musique et de la mise en scène. Donc, ça a quoi comme conséquence? Ça a comme conséquence qu'on doit élargir notre vocabulaire, notre capacité de réception et utiliser, donc pour comprendre, le langage de l'autre dans sa totalité, c'est-à-dire pas seulement le langage du strict sens des mots, mais aussi du langage
non symbolisée qui va avec. Et ça, c'est l'autre point, et je pense que là, on va peut-être pouvoir échanger, comment on va également, et ça, c'est une vraie question pour les psychanalystes, est-ce qu'on est limité au langage verbal, juste les mots, ou bien est-ce qu'on doit apprendre à utiliser, pas seulement intuitivement, mais travailler les niveaux infraverbaux de notre propre mode de communication. Et ça, c'est ce que je pense. Je pense que le travail avec des musiciens, le travail avec des gens qui ont une approche de ces niveaux-là, avec des danseurs. J'ai travaillé dans une présentation avec des clowns. J'ai trouvé ça absolument fascinant, comment ces deux clowns qui étaient là traduisaient en mime, en expression corporelle, des choses que moi je donnais dans les mots. Et je me suis dit, ils en ont fait quelque chose d'extrêmement drôle d'ailleurs, qu'on aurait besoin, pour se former, pas seulement de se former à l'écoute du langage verbal, mais que l'écoute du langage verbal, c'est aussi l'écoute du langage corporel sous-jacent, et qu'on aurait besoin de se former aussi à ça, et donc d'intégrer, par exemple, nos formations seraient beaucoup plus drôles, d'intégrer des clowns, par exemple, dans la formation des psychanalystes, je trouve que ce serait vraiment intéressant, et d'avoir, oui, ça changerait un peu l'allure, ce serait pas mal, et ça nous donnerait une augmentation de nos capacités perceptives. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est comment développer notre propre conscience de ce qui se passe en plus des mots, en arrière-plan des mots, dans les niveaux non conscients et non symbolisés de notre mode de communication, de façon à pouvoir augmenter notre palette de communication avec nos patients. Voilà. Alors, quelles sont les applications thérapeutiques de tout ça? Qu'est-ce que vous en faites et comment vous faites? Alors là, vous allez vous y mettre là, à vous, un peu. Et on va discuter. Je peux passer le micro si quelqu'un peut lever la main. Bonjour. Merci, madame, d'abord pour votre voix qui est très mélodieuse. Effectivement, il y a beaucoup de... Votre discours est toujours très contrasté et épais, bien entendu. Alors, c'est difficile d'essayer de faire, non pas une synthèse, loin de là, mais vous êtes parti, vous avez démarré votre exposé en disant « J'avais l'impression qu'il fallait que je change de métier. J'avais l'impression que j'étais pas dans ce que j'avais appris. Hein, c'est quelque chose comme ça. Et moi, je travaille dans une maison d'enfants à caractère social où on développe effectivement de l'accompagnement à domicile, voyez. Et je me disais que... le métier des éducateurs est en train de changer. Parce que ils ont plus la même, entre guillemets, clientèle, et ils ont de plus en plus des enfants, des familles accidentées de la vie, qui ont vécu des choses très très difficiles, et parfois le bagage de l'éducateur c'était les mots, c'était le lexique. Comme on dit souvent à des enfants, ne fais pas ci, ne fais pas là. Et je me rends compte que dans le milieu social, on a encore la chance de pouvoir manier les mots, les ressentis, de se dire entre nous ce qu'on peut ressentir. Et quand j'entends les éducateurs qui vont à domicile revenir avec leurs matériaux qu'ils ont à partager, je me disais, mais... en fait, on est moins en ce moment, on doit moins être dans l'informatif quand on travaille avec des personnes, comme je dis, cabossées par la vie, que dans l'enveloppe. Et j'ai le sentiment, voilà pourquoi j'avais le sentiment que le métier de l'éducateur était en train de changer, parce que
On ne travaille plus avec l'outil des mots simplement, mais on travaille avec la posture, avec la musique, c'est-à-dire la mélodie du langage et le positionnement du corps, et aussi avec la mise en scène, comme dans votre opéra. Parce qu'on ne fait pas passer les mêmes choses. Si l'on veut que le patient, enfin le parent ou l'enfant, soit dans une alliance thérapeutique à minima, et bien qu'on ne soit pas dans un milieu thérapeutique quand on est en maison d'enfant, eh bien je pense qu'il faut effectivement que ces trois niveaux de la communication soient audibles pour l'autre. Et je pense que dans notre expérience d'échanger avec ces personnes-là, ben je voudrais juste vous dire, une maman me disait l'autre jour, une maman qui avait trois enfants placés, me disait, alors que nous discutions de la prise en charge des enfants, « Vous êtes une maman pour moi ». Elle s'est arrêtée et puis d'un coup elle m'a dit « Mais vous n'êtes pas la mère de mes enfants, attention, mais vous êtes une maman pour moi ». Et là je me suis dit que finalement tout ce que j'avais un petit peu de façon infraliminaire dans ma tête, ça venait prendre forme. Parce que je pense depuis longtemps que aujourd'hui il faut travailler l'enveloppe, parce qu'on a affaire effectivement la société, les modifications sociétales, effectivement nous on fait perdre les mots. Et cette tridimension dont vous parliez, on la retrouve peu. Il faut l'extraire à nouveau avec les personnes qu'on accompagne. Voilà, c'est une petite, petite synthèse. En tout cas, voilà, vous m'avez permis voilà, ce type de réflexion. Voilà, merci beaucoup. Oui, je vous remercie de votre intervention. Je trouve ça très juste. Évidemment, je suis très, très d'accord avec ça. Et je pensais à ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup travaillé en lien avec les services de PMI. Dans le secteur où j'étais, j'avais une consultation parents-bébé et donc j'ai développé beaucoup de liens avec la PMI. On avait des réunions, quand on a commencé à avoir des réunions toutes les semaines, et les puéricultrices me disaient « Ah, comment on va faire pour vous adresser les mamans ?» Je dis « Vous n'allez pas me les adresser, hein, moi j'ai un mi-temps, je ne vais pas recevoir tout. » Non, on va voir comment vous allez travailler. Et ce que ça a entraîné, c'est un changement, c'est-à-dire qu'elles étaient parties, donc je vous rappelle, porte de ça, il y a vraiment longtemps, il y a 28 ans, quand j'ai commencé à travailler avec les puéricultrices, elles étaient beaucoup sur le modèle de la prescription, d'aller à domicile pour dire aux mamans, expliquer comment il fallait faire, et leur désarroi dans une zone aussi géographique avec beaucoup, beaucoup d'immigration, des zones de quart monde, le sentiment que les mamans qui avaient le plus besoin qu'on leur explique étaient celles qui pouvaient le moins accepter. C'est exactement ce que vous dites. Et donc, ce qu'elles ont appris avec le travail qu'on a fait ensemble, c'est que être là toutes les semaines, aller faire une visite toutes les semaines, en n'ayant pas pour objectif de dire, de montrer, de pointer, mais juste de regarder ensemble, que ça, c'était un vrai outil thérapeutique. Oui, je vous remercie beaucoup. Oui, c'est vraiment très juste. Quelqu'un veut la parole ? Faites-moi signe. Merci. Oui, je voudrais vraiment vous remercier. Et c'est vrai que j'ai essayé d'entendre cette histoire d'enveloppe. Et quand vous racontez des choses que je connais bien. Vous les racontez comme une odyssée. Et je pensais à la fonction alpha de la maman. Est-ce que ce n'est pas, au fond, mettre ensemble toute cette sensorialité, cette fameuse rêverie? Alors, je suis tout à fait partante pour introduire les clowns chez les psychanalystes. Ça fait longtemps que j'y pense. Et je ne vais pas évoquer tout ce à quoi vous m'avez fait penser, mais juste deux choses là, qui me sont revenues. Alors, je ne sais plus où ou quand. Mais j'avais entendu parler que Françoise Dolto, en écoutant une amie sur le divan, enfin bon, cette amie avait retrouvé dans un rêve toute une phrase musicale qu'elle pouvait décoder.
Et quand elles ont fait des recherches, c'était le chant de la nounou africaine qu'avait pu avoir cette patiente amie bébé. Et il m'est revenu aussi une autre, quelque chose comme ça qui m'a traversée. C'était dans une institution où la musicothérapeute arrive, c'était des patients Alzheimer. Et depuis le matin, l'équipe n'en pouvait plus avec un patient. Et ils ne savaient plus comment l'apaiser. Et ils ont demandé évidemment à la musicothérapeute de le prendre en charge pour pouvoir soulager. Alors elle a tout essayé, Mozart, enfin, et puis soudain, elle a eu l'idée de mettre une fanfare tonitruante. Et à ce moment-là, le monsieur s'est apaisé. Et quand on a essayé de le penser, on s'est dit, il a entendu à l'extérieur la musique qu'il avait à l'intérieur. Et comme ça, elle l'a fait intuitivement, quoi. Et merci beaucoup pour votre rapport. Alors, elle l'a fait intuitivement, mais en ayant donc intuitivement une perception du rythme nécessaire pour ce patient. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle l'a transformé en musique, quelque chose qu'elle avait perçu d'ailleurs, vraisemblablement dans une modalité transmodale. C'est ça. Vous voyez, je crois que quand on a, de temps en temps, en consultation, on se dit, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, comme l'histoire que je vous racontais, de m'être mise à chanter avec cette patiente. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Pourquoi j'ai pensé à ça? Eh bien, je crois que dans ces moments-là, on fait une traduction transmodale dans une autre modalité sensorielle de quelque chose qu'on a perçu, qui était en jeu dans le mouvement, vraisemblablement, la façon de bouger de la personne qu'on a en face de nous. Vous voyez, Stern, donc on connaît bien dans le monde des bébés, Daniel Stern, on le connaît pour ses travaux sur les bébés, son incroyable richesse, j'en ai parlé dans ce sens-là. Mais il y a quelque chose que moi je ne connaissais pas, que j'ai découvert de façon très récente grâce à un collègue dans mon séminaire, c'est que Stern, il était également psychothérapeute et il a écrit un livre sur le travail entre un thérapeute et son patient, un analyste et son patient. Il faisait partie d'un groupe, enfin, peu importe, il a raconté ça dans un livre, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin, qui s'appelle « Le moment présent ». Ça vous dit quelque chose? Lisez ça, c'est extraordinaire. « Le moment présent », le sous-titre de ce livre, c'est « Le monde dans un grain de sable ». Alors, « Le monde dans un grain de sable », il est parti, d'abord, je vais vous faire un petit résumé de ça, mais ce livre est fascinant, ça ouvre des perspectives exactement, ça éclaire ce que vous racontez là de la fanfare, de la transformation en fanfare, voilà. Au départ, ils sont partis d'une recherche. Et la recherche était de demander à des gens, c'était des étudiants, de leur demander de raconter, l'exemple que je vais vous donner, c'est celui-là, il est très, très parlant, je trouve, mais il y en a plein d'autres, de raconter leur petit déjeuner. Alors, c'est dans le cadre d'une expérience. Vous connaissez cette histoire-là. Donc, alors, vous allez me corriger si je l'ai modifié. Et le gars raconte que, donc, il prépare son petit déjeuner, il ouvre la porte du frigo pour prendre du jus d'orange, et Stern est alerté par le geste qu'il fait, qui est un geste bizarre. Alors, il lui demande de refaire ça et d'expliquer davantage. Et alors, le gars explique qu'en fait, oui, certes, pour ouvrir le frigo, qui est un vieux frigo, il faut l'ouvrir avec un geste assez sec, mais pas trop fort, parce que la clayette est cassée, et si on tire trop fort, le jus d'orange tombe, qui est dans la porte. Donc, un petit moment, voilà pourquoi le monde dans un grain de sable, un petit grain de sable, un petit moment minuscule. Mais pourquoi? Parce que se révèle que c'est toute la problématique de ce gars, de savoir jusqu'où il peut aller, c'est un thésard, et donc il raconte comment il est en bisbille avec ses directeurs de thèse, et comment il essaye toujours d'ouvrir la porte de façon suffisamment nette, mais sans faire tomber ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est le monde dans un grain de sable. Je trouve que c'est quelque chose qui va très très loin, et qui nous ouvre des vraies perspectives thérapeutiques, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas des sujets intéressants et des sujets pas intéressants. Vous voyez ? Et que tout détail de la vie contient l'ensemble de la personnalité et l'ensemble de l'orientation de la personne par rapport à la vie et par rapport aux autres et sa conception des choses. C'est tout. Donc,
un psychanalyste que j'apprécie beaucoup, qui est Bolas, Christopher Bolas, qui cite d'ailleurs pas mal les travaux de Stern aussi, dit que quand les patients sont en panne d'associativité, il leur demande, c'est très fort pour les psychanalystes, il leur demande ce qu'ils ont fait le matin même. Il ne leur demande pas à quoi ils ont pensé. Il ne leur demande pas s'ils ont rêvé. Il le fait aussi par ailleurs, mais dans l'exemple qu'il donne. Il leur demande ce qu'ils ont fait. Alors, quand on est psychanalyste, quelles que soient les formations qu'on a, on est déformé par nos formations. Les psychanalystes se sont déformés par leur travail extrême et extrêmement poussé sur le langage et le décryptage des sens inconscients, etc. Mais ça veut dire que quand quelqu'un fait et raconte ce qu'il fait, on a tout de suite notre déformation qui est pensée opératoire. Est-ce que Bolas incite à avoir un fonctionnement opératoire? Pas du tout, mais il a l'idée que quand on ne peut pas associer ou quand on raconte des choses très défensives, si on raconte comment on est arrivé le matin, comment ça s'est passé le matin, comment on est arrivé sur le chemin du cabinet, alors là, il va y avoir le monde dans un grain de sable et qu'on va pouvoir penser ensemble à quelque chose pourquoi le patient n'a pas de théorie prépensée. Moi, je me le raconte un peu comme ça et j'utilise beaucoup, beaucoup ça. Oui, votre réponse là m'a fait penser à la troisième chose que je voulais, qui m'a traversée. C'était dans un colloque psychanalyse et musique, enfin ou voix, enfin, et une thérapeute a témoigné. Elle-même pratiquait le chant et le bel canto, en fait. Hein. Je crois qu'il faut se sentir aussi à l'aise. Et elle a fait là aussi intuitivement, à la fin d'une séance, elle s'est mise à faire un immense chant, comme ça, qu'elle a adressé à sa patiente. Et effectivement, il y a eu quelque chose autour de cette espèce d'image d'avoir été comme chez Ikea en petit bout, et que le chant à reconstituer à ce moment-là quelque chose de... Ah ben, voilà. Mais je veux rajouter que c'est pas... Il faut avoir confiance dans la transmodalité, qui est une modalité qu'on va utiliser, qu'on doit essayer de développer et de ne pas perdre. Avoir confiance dans ça et avoir confiance dans les capacités de représentation. Ce que je vous disais des neurones miroirs, ça veut dire qu'on perçoit ce qui est en train de se manifester chez l'autre, et on le reçoit. Par exemple, moi, je ne touche pas mes patients, et y compris avec les mamans et les bébés, je ne touchais pas les mamans, je ne touche pas mes patients, mais par contre, quand ils sont en face de moi, dans le fauteuil, que je perçois quelque chose comme ça, je peux dire « Ah !» Parfois, je peux juste dire « Ah !» Parfois, je peux dire, oh, on est content dans les bras du fauteuil. Je ne prends pas mes patients dans les bras. Mais si je parle des bras du fauteuil, et si j'agis ça, ça revient au même. Je pense que ça revient au même. J'ai une confiance absolue dans la capacité de transformation dans une autre modalité. Et donc, effectivement, pour le patient, c'est reçu tout à fait de cette façon-là. Avec les mamans et les bébés, je me souviens d'une maman, je faisais assez souvent ça avec les mamans, et je continue d'ailleurs, de faire ça, un geste comme ça. Je ne prends pas la maman dans les bras, je ne l'enveloppe pas concrètement, mais je fais le geste. C'est pareil. Souvent, on en fait trop, on en fait des tonnes. On en fait des tonnes au niveau du langage, on a besoin de marteler, il n'y a pas besoin. On peut avoir, je ne vais pas rentrer dans le discours, dans le débat sur l'homéopathie, mais moi j'appelle ça des interventions homéopathiques, et je pense que ça existe vraiment, et que ça joue vraiment, et que ça marche vraiment, et qu'il faut avoir confiance en ça. Pas la peine d'utiliser un bazooka. Y a-t-il d'autres questions ? Merci, merci beaucoup de votre présentation très stimulante. Je vais essayer d'ordonner un peu les choses par rapport à la musique en écoutant les interventions. Moi, je travaille dans un service
de cancérologie pédiatrique depuis 20 ans maintenant. Et c'est vrai que ça me faisait penser à la situation d'un petit bonhomme de 2 ans à peine qu'on a accompagné, parce que j'accompagne les enfants en radiothérapie. Et il s'agissait de faire un masque de centrage, donc un masque très complexe. Hein, ils ont des choses très, très violentes. Et on m'avait demandé d'accompagner ce petit bonhomme de 2 ans pour faire ce masque. Donc je travaille beaucoup avec cette équipe. Et à un moment donné, pour illustrer cette question de l'expertise, il faut faire attention à l'expertise. Et là, ils m'ont dit, écoute, voilà, la maman, elle reste à l'extérieur, elle est enceinte. Et la maman, comme me confier ce petit en disant, bon, alors, puisque vous êtes experte, vous allez vous en occuper. Et l'équipe de dire, non, les parents, ils ne doivent pas assister. Bon, on a essayé, il se trouve que je suis aussi formée à l'hypnose. Et on n'arrive à rien. C'était un petit loulou d'origine africaine avec sa tétine. Donc on n'arrivait à rien, je lui dis, écoutez, on n'arrive à rien, maintenant ça suffit, on va faire rentrer la maman. La maman n'était pas très contente que je la convoque là, et au final, on a plutôt pas trop mal réussi, puisque je lui ai dit, mais comment est-ce que vous avez l'habitude de rassurer votre petit bonhomme, de le calmer? Alors elle hésitait, et puis elle me dit, je lui chante du gospel. Eh bien, chantez-lui du gospel. Et elle avait besoin de mon autorisation, comme si elle se sentait gênée. Donc il y a aussi cette idée de oser, en fait. Oser ce corps à corps, oser sans rien en attendre. Je pense que c'est ça, oser cette rencontre sans rien en attendre et être surpris de ce qui peut s'y passer. Enfin, moi, j'essaye depuis 20 ans de travailler sur ce truc parce que je travaille dans un milieu très spécialisé, donc où l'expertise, le savoir, le contrôle, y compris de la parole du psy, c'est de l'injonction d'aller voir. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que vous disiez des collègues de PMI en disant, vous aussi, vous avez à faire ça. La parole, elle n'appartient pas au psy, elle est partagée. Et quand cette maman s'est autorisée, j'en parle avec encore beaucoup d'émotion, à chanter le gospel, c'était un moment magique. Il y avait la radiothérapeute qui était là, et dans quelque chose de très, très comme ça, très, très physique, il faut faire ci, les enfants n'ont pas le choix. Et tout le monde a été vraiment surpris, émerveillé par cette maman qui s'est mise à chanter le gospel et par ce petit loulou avec sa tétine de scander avec elle ce temps de gospel. Et on se le remémore. Donc je voulais partager avec vous ce moment magique et justement peut-être être attentif à, je pense, ne pas... à l'ère des neurosciences, de la découverte. Hier, j'étais à un colloque de la Société française de psycho-oncologie où justement, je me dis qu'il faut que nous, on fasse attention à ne pas être instrumentalisés en disant, y compris la musique est instrumentalisée. Et ok, la musique, on a démontré qu'elle faisait du bien, alors on va faire que vous alliez chanter. Et du coup, je pense que la science doit rester au service de l'humain et ne pas déshumaniser la relation, il me semble. Alors, évidemment, je suis d'accord absolument avec tout ce que vous dites, mais peut-être c'est le point de départ, c'est que vous avez pu dire « j'y arrive pas, je sais pas ». Parce que qu'est-ce que c'est un expert ? Un expert, c'est quelqu'un à qui... C'est la question que me posaient les parents. Qu'est-ce qu'on peut offrir à un bébé de 6 mois? Voilà, on délègue à un expert une question. Je pense qu'au départ, pour pouvoir nouer ce lien-là avec les parents, donc, il faut pouvoir dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va chercher ensemble, on va voir. On va voir ensemble. Et je pensais, en vous écoutant, j'ai reçu le fait de passer par... Je ne sais pas, est quand même quelque chose de très particulier, d'abord de blessant pour notre propre narcissisme. Ça nous oblige à faire aussi ce travail-là, à le mettre ailleurs, notre narcissisme. Hein, ailleurs que là, que dans la carte de visite. Et des parents qui viennent, qui sont en difficulté avec un enfant et qui viennent vous consulter comme spécialiste, qui vous ont été adressés parce que vous êtes spécialiste, c'est très particulier de pouvoir arriver à dire « Non, mais attendez, moi je sais pas. » Mais alors l'histoire à laquelle je pensais, c'était ça. C'était un petit bébé, c'était terrible, qui avait un syndrome neurologique, je ne sais plus lequel, et qui était sourd et aveugle. Et un petit qui était, il avait 3 mois, quand je l'ai vu, c'était effroyable. Je n'avais jamais vu...
un bébé dans une telle détresse, qui hurlait, qui était... Et donc les parents me disent, voilà, on vient vous voir parce que... Donc c'était ma consultation parent-bébé. On vient vous voir parce qu'il a ce syndrome. Je dis, c'est quoi? Comment, vous savez pas? Non, je sais pas, je n'ai jamais entendu parler. Je vois le père qui se lève. Je dis, oui, vous vous dites que je peux pas vous aider si je sais pas ça. C'est vrai, je sais pas, mais par contre, je connais un peu les bébés. On peut regarder votre bébé. Alors, le papa se rassied, ça a été un moment extrêmement violent parce que il venait voir un spécialiste et le spécialiste disait, je sais pas, et je pense que souvent, quand on se sent dans cette position-là, on a souvent envie, vous savez, comme quand on vous dit, t'as lu ce bouquin, et puis on l'a pas lu, on se sent un peu bête, on dit, et on prend l'air malin. Et ben, je pense que souvent, on a tendance à faire les malins. Et à faire comme si on savait des choses qu'on ne sait pas. Je crois qu'il faut pouvoir dire. Mais pas juste dire pour se défausser, mais dire et proposer quelque chose ensuite. Et ce qu'on va proposer, c'est ça. C'est, non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est cette maladie? C'est quoi? D'accord, ça va avec le fait qu'il est sourd et aveugle. D'accord, mais on va le regarder ensemble. Et on va regarder ensemble ce bébé. Et ce qu'on a vu à ce moment-là, c'était quelque chose, c'était impressionnant, parce qu'un bébé qui est sourd et aveugle, et peut-être en plus atteint sûrement cérébralement, il n'a aucun moyen d'anticiper ce qui va lui arriver. Et donc quand il pleurait, je voyais, la maman l'avait posé, il pleure, elle le reprend, je vois ce bébé qui sursaute et qui se met à hurler. Donc ça donnait l'impression qu'il ne pouvait pas supporter le contact. Mais je me dis, mais tout lui arrive par surprise alors. Tout lui arrive par surprise alors. Du coup, on a regardé ça, parce qu'est-ce que ça suppose? Si on dit, non mais moi je ne sais pas, les enfants atteints de ça, je ne sais pas. Mais celui-là, là, qui est là, on va le regarder ensemble et on va essayer de se mettre dans sa peau. De se représenter ce que c'est d'être un bébé sourd, aveugle, abîmé de tous les côtés et qui n'a aucun moyen d'anticiper ce qui lui arrive. Alors, on est tout le temps en train de lui taper dessus. Tout le temps. Il est tout le temps en train de se recevoir l'armoire sur la tête, qu'il n'a pas vu venir, le ciel lui tombe sur la tête. Et c'est le papa, quand on a passé, c'était une séance extrêmement émouvante, parce qu'il s'était levé pour partir. Et là, il a commencé à regarder et il a dit, oh, mais alors, est-ce que si on le mettait dans une peau de mouton? Je dis, oui, ce serait peut-être une vachement bonne idée. Mais du coup, ça a modifié complètement les choses, et c'est vrai, là, ça n'a rien changé au devenir terrible de cet enfant qui restait sourd et aveugle, mais son monde est devenu un monde moins violent, où il est arrivé la fois d'après enveloppé dans sa peau de mouton. Mais je pense qu'il faut pouvoir dire qu'on ne sait pas, mais proposer qu'on va regarder ensemble, et regarder ensemble en s'appuyant sur l'expérience des gens. Oui, je pense que c'est très, très, très important d'apprendre à pouvoir faire ça. Il y a autre chose qui me venait dans votre témoignage par rapport au fait d'autoriser la maman à chanter, lui avoir laissé l'espace, mais aussi savoir que donner sa voix en public, puisque là il y avait d'autres personnes, c'est souvent chanter, c'est quelque chose de l'ordre vraiment de l'intime pour les parents. Et se retrouver à chanter devant d'autres, c'est encore ouvrir un autre espace, plus large. Et c'est pas toujours facile. Et c'est super qu'elle ait pu le faire. Et qu'elle ait pu aider son enfant. Ouais, voilà, je pense que la motivation était là beaucoup plus forte. Y a-t-il d'autres questions? Juste tous les témoignages là me faisaient penser beaucoup à ce qu'a pu décrire Amy Picler de l'importance de l'activité autonome du bébé et avec forcément attaché à ça le regard que l'adulte porte dessus et dans toutes les expériences vécues professionnellement dont les gens ont parlé là, il y a quelque chose du dialogue entre
ce que dit l'enfant et ce que peut en lire et en interpréter le parent ou l'adulte qui est stoppé par la maladie ou le traumatisme ou en tout cas quelque chose qui vient empêcher l'émergence du langage dont vous avez parlé et qui se fait à deux ou à plusieurs, enfin, voilà, qui s'institue dans l'interaction. C'était juste une petite remarque. Non, c'est pas juste, hein. C'est pas juste parce que c'est tout un chapitre là, tout un monde que vous ouvrez. Je vous remercie beaucoup de cette question parce que c'est la suite. Je dis, il faut pouvoir proposer, ne pas se poser comme expert, mais partager le fait que on ne sait pas et on va observer ensemble, on va regarder ensemble. Mais de plus en plus, je pense, j'ai beaucoup travaillé à partir de l'approche de l'observation BIC, mais de plus en plus, je pense que c'est pas suffisant. Il faut avoir nous une idée aussi de ce qu'on va regarder et le montrer aux parents. Et ce qu'on va montrer aux parents, c'est le mouvement. Justement, le mouvement, je vous dis, il commence très tôt, à 7 semaines, et très vite, il est un mouvement organisé, un mouvement caractéristique de la personnalité du bébé, et c'est du fœtus, et c'est le mouvement qui va porter tous les canaux de communication. Et ce qu'on voit, et peut-être, ça, je sais pas, c'est une question un peu vaste, mais on a plus le souci d'éduquer que d'aider à développer. Quand on est professionnel, on a plus le souci de ce qu'on va dire que de laisser, de permettre que l'autre développe son propre propos. Alors ça, je crois que c'est vraiment la complémentarité, et merci d'avoir parlé d'Amy Picler. On est en train d'essayer de développer avec Juliana Vamos le lien entre l'observation BIC et l'observation Picler. Je crois que dans le travail avec les parents, donc je parle de la clinique mère-bébé, là où j'ai pu avoir des cas très lourds comme ce petit-là dont je vous parle, il faut avoir les deux aspects. L'aspect de l'observation. L'observation, ça va avec le geste que je fais, c'est ça, c'est d'empêcher les parents d'agir. Ouh, tu l'as envoyé loin, cette balle. Il se tourne vers sa mère, il hurle. Oh, t'as l'habitude que maman ramène tout ce qui pose problème, hein. Tu as l'habitude que ce soit maman qui fasse. Comment tu vas te débrouiller, toi? Alors, ça passe par le fait, c'est encore autre chose. De dire, ça m'arrive assez souvent de dire aux parents, vous trouvez que je suis vraiment cruelle, hein, de le laisser se débrouiller là. Je le dis parce que, c'est ce que pensent les parents, parce que je pense qu'on a énormément de confusion entre ce qui est un effort et ce qui est une souffrance. Un bébé qui a envoyé sa balle trop loin et qui ne peut pas la récupérer, et qui est en colère, et qui fait des efforts pour la récupérer, est-ce qu'il est en souffrance? Est-ce que pour qu'il ne soit pas en souffrance, il faut lui rendre sa balle? Ah ben moi je ne le pense pas, je pense que c'est son expérience, et je pense qu'il faut juste regarder comment il va se débrouiller, et ne pas l'entraver dans son expérience en voyant ce qu'il va faire. Peut-être il va faire des gros efforts pour aller la chercher, peut-être il va s'intéresser à autre chose, et puis finalement il va y revenir, c'est quand même quelque chose qu'on voit vraiment très souvent. Et donc ça, c'est important de pouvoir empêcher l'action des parents pour voir le développement que va pouvoir faire le bébé de sa propre action. Et le laisser autonome. Et là, je crois qu'on a un champ, mais énorme, qui s'ouvre, qu'on est complètement à rebours de tout ce qui se passe dans l'époque. Je dis ça un peu rapidement, mais je pense qu'on est complètement à rebours parce que ce qu'on voit, c'est qu'on est abreuvé de techniques de comment il faut faire. Comment il faut faire. Qui chante complètement, qui évacue complètement la question de comment est ce bébé-là? Comment il est organisé, lui? Comment il se développe, lui? Et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Et qu'est-ce qu'on peut juste l'aider à développer lui-même? Et l'aider à développer lui-même, c'est bien souvent en évitant l'intrusion par le comportement des adultes et des autres. Ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Et je pense qu'on a une... Je crois qu'on a une vraie éducation à faire de nous-mêmes en tant que parents et des parents avec lesquels on travaille et qui va leur montrer, qui peut leur montrer ça, que le bébé lui-même a des capacités et
qu'on va l'aider à développer ses capacités, et que surtout on va essayer de ne pas les entraver, et que chaque fois, comme chaque fois c'est la même chose, qu'on répond à une question, on sait bien que la réponse est la mort de la question, d'accord, c'est pareil avec l'ensemble du développement. Ce qu'on fait à la place de l'autre est une entrave à ce qu'il peut développer lui-même. Je crois que c'est majeur d'avoir ça. Merci beaucoup. Quelques informations rapides sur la suite, et puis après, Elisabeth. Je vous invite vraiment, et je le referai à 13h30 dans cette même salle, à vous plonger dans le programme et à créer votre propre itinéraire dans ce colloque, sans penser tout entendre, sans penser tout voir, sans penser tout écouter. Mais le midi, ça porte conseil, comme la nuit. Entre collègues, regardez un peu dans le programme ce qui vous intéresse, fabriquez-vous votre itinéraire et essayez autant que faire se peut, s'il vous plaît, de respecter le tempo. Donc on reprend ici vers 13h30 et les conférences, elles, sont à 14h. Je vous souhaite un bon appétit et je remercie Régine de tout ce qu'elle vient de faire parce que c'était une belle présentation. Oui, je sais. Je voulais vous proposer une toute petite chanson pour dire au revoir. Peut-être certains la connaissent. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. Petit point rouge, elle bouge. Petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle, au revoir. Bon appétit. Je croyais que vous étiez partis.